Ah oui, allez, bon d'accord. Bon d'accord, on est de retour. Alors, je ne vois pas Aero Kanzaki. Si, il est sur Mumble, c'est parfait, il a juste pas starté son stream encore. Bon bah, allons-y, j'ai pas pu mettre le Toe Shop à jour, c'est pas grave. Nous allons basculer sur le match. Les infos que vous voyez en bas de votre écran sont périmées, évidemment. Elles ne fonctionnent plus, et nous allons changer d'habillage. Ce n'est plus un 2-3 lunatique contre Balmora, mais bien Aero Kanzaki contre Radical Edward. Le temps de changer le 3 éponge en 0 ver de terre, hein, bien entendu, les chiffres animaux qui vous passionnent tous. Très bien, et on va prendre les deux joueurs en live. Allô ? Allô ? Ouais. Oui, allô ? Ah, formidable. Vous êtes là, vous êtes présents, et bien finalement, on va le jouer votre match. Incroyable, mais ouais. Si c'est toujours bon pour vous, bien sûr. après donc ce match marathon. Cette Eve marathon, surtout entre Lunatic et Balmora. Alors, chaud bouillant, chaud patate, on en est où? Fatigué. Fatigué, Aero Kanzaki qui se réveille, Radical Edward qui revient du boulot. Extrêmement fatigué. Voilà, extrêmement fatigué. Les excuses de Saxon sorties, c'est deux mondes qui s'affrontent aujourd'hui. La France qui se lève tôt contre la France qui se lève tard. Hallucinant, faites vos jeux. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est Aero Kanzaki qui avait terminé vainqueur de la poule des randoms du Stunfest. Et c'est donc Aero Kanzaki qui va choisir quel personnage il va bannir en premier. Oui, par contre, moi j'ai pas. J'ai pas regardé les anciens matchs, donc c'est. Si je peux avoir vite fait un résumé des règles. Un résumé des règles, très bien. Alors, mon cher Aero Kanzaki, maintenant tout se joue en run à un personnage en BO5, c'est-à-dire le premier arrivé à 3. Après chaque personnage terminé, on se retrouve sur le Mumble là, c'est-à-dire vous pouvez vous déplacer et revenir quand vous avez terminé, et puis moi je peux vous déplacer si vous avez perdu. Et on lance le personnage suivant. Donc c'est très simple, vous allez bannir deux personnages dans un premier lieu. Le chat ensuite va voter entre 5 personnages. Et ce seront la rotation des 5 personnages qui seront joués au fur et à mesure. Évidemment, s'il y a un 3-0, seulement les 3 premiers personnages seront joués. Et ça sera gagné. Voilà. Sinon, les règles, du coup, persistent. On laisse la machine de dons, on laisse le fric et la sauvegarde Platinum God, de speedrun.com. Vu que même une partie, théoriquement, on l'a vu avec Lunatic, même une partie qui utiliserait IPK et Magic Fingers, finalement, n'affecterait qu'une partie et pas l'intégralité de la race. Est-ce que tout est clair? Ok, j'ai compris. Très bien. Bah, du coup, je vais bannir le baby, je pense. Le bébé bleu. Ok, très bien. Et Radical Edward, donc deuxième de la poule de la dose de la grid. Qui vas-tu bannir? Sanson. Ah, comme moi. Attention, j'ai banni Sanson, ça n'a pas réussi. Hein. Très bien. Le Blue Baby et Sanson seront bannis. C'est donc au chat. Bien évidemment, la lucidité, hein, exemplaire du chat. De choisir, de voter entre Isaac, Eve, Judas, Magdalene, Maggie et K1 Camaro. Paf. Paf pastèque, voilà, c'est à vous de jouer. Vous votez tout le monde sauf Blue Baby et Sanson. Quant à moi, eh bien, je vais préparer le Toe Shop gentiment et je vais vous demander. Eh bien, rien pour l'instant car on doit attendre le vote. C'est formidable, vos deux streams sont lancés. Ah oui, alors non, Radical Edward, j'imagine qu'évidemment ton Pentium 133 ne supporte pas encore le tracker. Alors, je ne l'ai pas mis pour deux raisons. Ah. Premièrement, effectivement. Le PC. Oui. Et deuxièmement, la superstition, car j'ai gagné sans le tracker. C'est vrai. Au final, mettre le tracker ne serait pas un peu superstitieux donc. La France qui se lève tôt est superstitieuse. Très bien. Radical Edward qui n'utilise pas de tracker. On rappelle que Radical Edward est le seul de la poule de la dose à avoir battu Grid lors d'une race absolument incroyable où Grid a probablement eu toute la poisse de l'univers. C'était magnifique. Moi j'ai trouvé cette win très legit. Bien évidemment, c'est le talent. C'est le talent, bien entendu, qui a percé. Qui a brillé, évidemment, au grand jour. Alors que ça vote, on vous le rappelle, grouillez-vous, votez, on compte sur vous. Moi, je vais faire une petite relance Twitter, parce qu'il y a sûrement des gens qui ont rage quit en pensant qu'il n'y aurait pas de deuxième match. Donc, je rage tweet. Maintenant, c'est at Aero Kanzaki versus GG Radical Edward pour le
pour le GL Toll. Tout simplement, http bit.ly slash gl-tv2 cc@gaminglive et je vais mettre l'image des playoffs que je n'ai pas mise à jour, du coup, tant pis. On ne voit pas encore que Balmora a perdu 0-3 contre 1-2-3 lunatique. Paf! Alors concernant les VOD, en fait tous les matchs, les 3 matchs qui ont été joués hier sont sur mon YouTube, juste pas publiés encore. Et ça sera le cas ce soir, hein, bien évidemment. Tout à fait. Alors. Allez, on va prendre, tant pis, fallait voter plus vite. Je vois beaucoup de Maggie de toute façon, c'est juste le vote a surtout de sens pour les 3 premiers persos. On n'est pas sûr de jouer le 4ème et 5ème perso. Voyons voir Moobot Paul Kulose. C'est bon, allez, je vous invite à le noter, même si de toute façon on fera une pause à chaque match, donc ce n'est pas primordial que vous le notiez. Les personnages joués dans l'ordre seront Judas, ainsi que K1, puis Eve. 4ème perso optionnel donc sera Magdalene. Et on terminera, si on va jusqu'au 5ème perso, par Isaac. Donc je vous invite à vous positionner sur votre première salle avec Judas. Chers messieurs. Alors, je le note. Photoshop au bout de sa vie. Le PC en PLS. Moi, je suis prêt. Très bien. Prêt. Très bien. Eh bien, pas moi. Mais assez imminent. Ok. Je sauve ces informations essentielles. Et je vous souhaite évidemment de faire bien mieux sur Eve que lors du précédent match, si possible. Ok, c'est sauvegardé. Nous passons sur la scène du match. J'affiche les persos sous vos yeux ébahis. Je positionne le tracker de progression sur Judas. Vous êtes tous les deux prêts. Eh bien, très bien. Je vous rappelle que vous pouvez bouger librement dans le Mumble. Si besoin, vous pouvez revenir dans ce salon quand vous avez terminé. Eh bien, écoutez, messieurs, allons-y donc. 3, 2, 1. Bonne chance à tous. Bonne chance. Voilà, tout en sobriété. Hein. Très peu expansif. C'est là pour le serious business. Eh bien, tant mieux. Dès qu'il y aura du mouvement sur l'un des écrans, nous starterons le timer. Pas de panique, bien évidemment. Et c'est bon, c'est déjà le cash à Hero Kanzaki. Et ça ne bouge pas si ça bouge à Radical Edward. Radical Edward qui nous a fait le plaisir, bien évidemment, de streamer en 2 FPS avec son PC d'un autre âge. Ainsi soit-il. Pas de racisme technologique, hein, bien entendu. Sur Tears of Legends, donc on cherche le starter avec Judas. Judas, l'excellent, n'est-ce pas, Judas, qui commence avec, certes, avec seulement un petit cœur rouge, mais le bouquin de Bélial, bien sûr, qui lui permet eh bien, l'utilisation de gagner 2 en dommages, mais surtout d'avoir l'assurance de toucher les salles post-boss. Judas qui commence également avec le meilleur dommage de base. Et Radical Edward a trouvé très très vite, au bout de 20 secondes, un excellent starter, bien sûr. Le double shot 20 sur 20 qui lui permet tout simplement de doubler son DPS en quelque sorte. Double larme, très rapprochée. Et la carte de téléportation utilisée directement par Radical Edward qui va bomber son mendiant ainsi que les Champlars et ne toucher pas grand chose. Radical Edward qui a pris la décision de prendre immédiatement le demi-cœur éternel qui lui était proposé dans la salle de sacrifice. Attention cependant à ne pas se faire toucher, il n'a pas de cœur de protection. Ça serait dommage de le perdre sur un accident. Il est en train d'affronter ici un monstre sombre qui se fait défoncer en très peu de temps. Hero Kanzaki trouve également son starter en moins d'une minute avec Little Brimstone, donc un des meilleurs familiers. Qui vomit régulièrement du dommage, c'est plutôt pas mal, même si du coup il ne monte pas directement le dégât de son Judas. Il a également pris la main gauche qui va lui permettre d'avoir énormément de coffres rouges. Tous les coffres qui apparaîtront maintenant dans sa partie tant qu'il a ce trinket en main seront des coffres rouges qui contiendront des troll bombes, des araignées ou des mouches bleues, des araignées bleues, des cœurs bleus, des objets de guppy, etc., etc. Il obtient un HP up contre son boss, il y a un rocher marqué mais il n'a pas de bombe. Radical Edward, quant à lui, par contre, a obtenu l'excellent halo sur son monstro et donc a augmenté l'intégrité de ses stats et a déjà 3 points, 3 cœurs rouges. Et là, j'ai loupé ce qu'il avait obtenu dans son item room, car évidemment, Radical Edward n'a pas de tracker, et si je ne regarde pas constamment son écran, chose que je vais sûrement faire à partir de maintenant, et je ne peux savoir ce qu'il a eu
Et ça ne saute pas aux yeux pour l'instant ce qu'il a eu. A mon avis, c'est un objet qu'il a laissé derrière. Il a 7 pièces et une bombe. Et là, c'est pas assez pour investir dans son magasin. Il y avait l'excellent Mumsky qui vous donne deux clés et qui assure que. Qui fait en sorte que le contenu des coffres soit monstrueux. Encore un demi-cœur éternel trouvé par Radical Edward. C'est une boucherie qu'il a pris immédiatement. Il s'expose encore une fois au danger de le perdre. Mais il y a un rocher marqué dans cette salle. Peut-être. Peut-être pour Radical Edward, le cœur bleu tant convoité, le voici. Attention à ne pas se faire toucher par les années, c'est bon. Et Aero Kanzaki, lui, dans un cellier 2, hélas, pour lui, ça sera un peu plus compliqué. Il garde son left hand pour l'instant, il a un demi-cœur bleu en protection. Radical Edward, hélas, pour lui, qui affronte The Hunt, boss, le boss le plus pénible des deux premiers étages, mais son DPS est déjà goré. On va voir comment il gère ceci, il a le droit de se faire toucher une ou deux fois. Voilà, là, il fait du corps à corps avec... avec Ziant et ça fonctionne très bien, bien vu de la part de Radical Edward qui obtient la boule magique. Avec du shot speed up augmenté, le premier devil deal proposé, la bible satanique qui coûte 2. Il va quand même la prendre pour initier la dynamique de devil deal, même si ça coûte cher pour ce que c'est. Il récupère un cœur noir en l'utilisant une première fois. Et la carte de tarot lâchée par la boule magique, c'est figurez-vous, The Emperor. Une excellente nouvelle pour Radical Edward qui pourra l'utiliser ou bien pour subtiliser un objet du boss rush très rapidement, ou mieux l'utiliser à la cathédrale ou au chest. Pour se téléporter directement au boss, le marty fouette est l'objet de boss de Aero Kanzaki qui gagne en dommage. Le devil deal peu intéressant avec Gimpy et le bouquin des péchés sera laissé de côté. Mais du coup, on ne sait pas si Aero Kanzaki aura des devil deal ou des god room par la suite. Radical Edward, quant à lui, a laissé son bouquin de Belial sur un piédestal pour prendre la pioche de Minecraft. J'avais cru qu'il avait vu un rocher marqué quelque part, mais absolument pas. Il reprend son bouquin. Aero Kanzaki drop un dime ici, pièce qui en vaut 10. Et du coup, à 15 balles, il peut éventuellement trouver un objet de mapping. Ou mieux, dans son magasin, Radical Edward qui trouve la clé dorée qui va lui permettre d'ouvrir toutes les serrures de l'étage sans utiliser de clé. Et c'est de bon augure car il trouve directement son magasin. Il a maintenant 10 pièces et 2 bombes. De quoi acheter quelque chose. En l'occurrence, il y a l'excellent ceinturon de champion. C'est sûrement ce qu'il va choisir de prendre. Oh là là, le premier bombing a donné énormément d'argent. Et il prend, voilà, le ceinturon de champion qui va faire apparaître plus d'ennemis d'élite, certes, mais qui lui donne un plus 1 en dommage. Excessivement puissant pour un objet de magasin. Le magasin également consulté par Aero Kanzaki qui a le choix entre une Broken Watch et une Blue Map. Je pense qu'il va partir sur la Blue Map, il hésite. Ah, finalement, il ne va rien prendre et prendre son cœur bleu, c'est assez surprenant. Cœur bleu et clé. La Blue Map qui lui aurait donné un mapping très partiel, juste la position des Secret Room et Super Secret. Et qui donne en général des indices assez corrects pour savoir où se trouve le boss. En tout cas, c'est ignoré. Il obtient le PhD aussi, semble-t-il, dans son item room. Donc à partir de maintenant, toutes les pilules sont neutres ou positives. Il a d'ailleurs déjà utilisé une pilule I Can See Forever. Il en trouve une autre derrière qu'il pourra utiliser à l'étage prochain. Et affronte son boss qui est Gurdy Junior. Radical Edward lui investit dans Goathead. Ce qui est très surprenant car avec le bouquin de Belial, Goathead est inutile. Mais c'est sûrement... ça a sûrement été fait pour bénéficier tout de suite de War of Babylon, me semble-t-il, qu'il a acheté. Voilà, vous voyez que ses larmes sont énormes maintenant et le DPS est bon. Pentagramme trouvé par Aero Kanzaki et quel devil deal avec les robes cérémoniales et le couteau. Aero Kanzaki qui est en train de devenir monstrueux et qui rejoint Radical Edward au cave 2. J'ai encore loupé l'objet de Radical Edward, mais en tout cas... c'est très très bon. Cricket 7. Cricket 7 a été trouvé par qui? Par Radical Edward. C'est pour ça qu'il a des larmes énormes. Il a peut-être des larmes énormes Radical Edward, mais en tout cas, il est seulement à un cœur bleu maintenant. Ça serait dommage de mourir avec un build de larmes qui est excellent. Oh, le Broken Remote. Alors, Broken Remote qui est pris par Radical Edward. On va voir comment il va le gérer parce qu'il n'a pas un objet fait pour le Broken Remote. Là, le bouquin de Belial ne l'est pas. Et en plus, ça serait un gâchis de se faire téléporter une fois le Broken Remote, le Book of Belial utilisé contre un boss. On va voir. J'espère que si il ne trouve pas de meilleur objet pour l'utiliser, il aura la lucidité de lâcher son Broken Remote avant d'utiliser son bouquin de Belial. C'est ce qu'on va voir. En tout cas, là, le combo couteau et Little Brimstone fonctionne très bien pour Aero Kanzaki. Ah, un cœur bleu trouvé par Radical Edward dans la salle de sacrifice. Et voilà, il reste sur place et va lâcher son Broken Remote avant d'affronter son boss. Son boss qui sera Dark One, le bouquin de Belial utilisé. À mon avis, ça va être une boucherie. Ouais, Dark One qui prend très très cher. Et qui aura à peine le temps de faire le clown, qui va décéder immédiatement. Range up avec l'anecdotique rouge à lèvres de maman. Et c'est Krampus dans la Devil Room. Krampus qui tombe très vite. Est-ce que ce sera le Lump of Coal? Non, hélas. C'est
La tête de Krampus, il ne va pas lâcher son bouquin de Bélial, c'est sûr, et il n'ira pas rechercher son Broken Remote. Il abandonne l'idée. Un demi-cœur éternel proposé à Okanzaki qui est pris. Okanzaki qui rejoint également son boss, qui est également Dark One. Bouquin de Bélial utilisé. Et là encore, le Dark One n'aura même pas le temps d'initier sa course. C'est le décès. Little Steven trouvé. Devil Deal avec Krampus. Voilà, c'est un peu miroir ce qui est en train de se passer. Alors, Radical Edward a bombé un rocher marqué avec un coffre doré contenant un cricket set. C'est beau. C'est beau, merci Solangel89 pour les précisions. Deps1, donc avec le cœur, demi-cœur éternel qui se métamorphose pour Hero Kanzaki. Téléportation via la Curse Room dans le Devil Deal de Radical Edward. Hélas, il n'y avait que le Demon Baby et surtout Radical Edward n'a que deux cœurs bleus et ne peut investir dans ce Devil Deal. La pilule piffée, lui, n'a pas le PhD et Are You a Wizard et le problème, c'est que c'est Grid derrière. Mais Radical Edward, qui gère bien son Are You a Wizard, ne se fait pas toucher contre Grid et qui va se faire masse de pognon. Plutôt une bonne nouvelle, il a 20, il va avoir presque 30 pièces avec 5 clés. De quoi aller faire un tour au magasin. Le Small Rock est trouvé par Okanzaki qui gagne plus 1 en dommage. De bonne augure pour son couteau. Ah, intéressant, il a moult bombes ici et il se trouve devant visiblement ce qui pourrait être une auberge. Presque dommage qu'il ait un cœur rouge. Dormir à l'auberge sans cœur rouge, c'est regagner 3 cœurs bleus. Mais voyons voir ce que ça donne. C'est une auberge clean, l'auberge clean, je vous le rappelle, qui du coup donne lieu à une échelle de corde et pas une trappe directe. Les deux pilules lui donnent I Can See Forever et un point de chance. Il récupère sa rune de pureté à Okanzaki, qui a de quoi faire le Black Market Glitch si besoin est. Et il peut le faire, il est Depth Swan, il a un bon build. Il trouve Parasite, c'est génial. Mais là, c'est avec le couteau, je crois que ça n'a aucune synergie, aucune utilité. Il va le prendre tout de même. On va voir s'il va décider Black Market Glitch. Ah oui, il a l'air de se positionner. Va-t-il le faire? Va-t-il le réussir? Le Black Market Glitch qui constitue, quand vous êtes dans ce genre de salle, à placer deux bombes habilement afin de vous faire éjecter dans le marché noir. Voyons voir s'il s'y est bien pris. Oh là là, j'ai des doutes. Il s'y est très mal pris. Il a pas laissé sa deuxième bombe bien assez tombée, je pense. Et du coup, Black Market Glitch loupé, pas de raccourci, entre guillemets. Et pas de potentiel achat de boussole ou autre. Hein, avec le Black Market, je vous le rappelle, vous avez l'équivalent du Devil Deal, mais sur des objets de magasin. Radical Edward, check son magasin. Il a beaucoup d'argent. Hélas, pour lui, ce magasin est très peu excitant. Il va prendre le Fanny Pack, qui lui permettra de dropper des objets aléatoires quand il se fera toucher. Il est dans une nécropole également et se tape plein de cœurs et de masques angoissants. Mais son DPS, c'est bon. Hero Kanzaki qui trouve sa super secret. Super secret qui contient un coffre noir. Radical Edward plus avancé. Radical Edward avec un bobine, mais avec seulement un cœur bleu et demi. Alors que Hero Kanzaki, pour être très honnête, est dans une situation de confort extrême. Ah, un petit coffre rouge. Hélas, que des bombes. Radical qui bascule donc sur Bloat. Boss excessivement angoissant. Il n'a pas de l'arme spectrale. Il est obligé de passer derrière. Tant que The Bloat ne saute pas, c'est confort. Ah là là, c'est le Bloat explosif des enfers absolus en plus qui avait ses yeux sortis. Oh, le Devil Deal absolument gorissime pour Hero Kanzaki qui avait le choix entre Abaddon, War of Babylon et je ne sais plus quoi. Bref, 3, et Guppy Spo. Et là, s'il n'avait qu'un cœur rouge à investir, il a choisi donc de partir sur Abaddon. Il a maintenant 12 cœurs, dont 10 sont noirs. Et il a gagné donc 1,5 de dommages. La possibilité d'infliger la peur avec son couteau. Tout va bien pour Hero Kanzaki. Radical Edward qui se déplace de Wrath ici. Radical Edward qui n'a plus qu'un cœur bleu. Ça commence à puer un petit peu. Il faudra un excellent Devil Deal. Il faudra un Abaddon. Hein. De toute façon, par exemple, pour Radical Edward. Pourquoi pas, il a Goathead. Il aura l'accès à l'intégralité de ses Devil Deals. Abaddon le sortira de ce trépas. Et un bel objet éventuellement au boss rush. Il a sa carte The Emperor. Même si c'est tentant, bien entendu, de garder cette carte pour la fin. Coffre rouge avec juste des mouches bleues. Il va quand même bourrer le coffre de pierre. Il n'a plus de bombe maintenant. Il a 7 pièces et 7 clés et tombe sur son magasin. Et là, s'il ne peut checker quoi que ce soit, il a la main gauche hein, en possession pour l'instant. Je ne crois pas qu'il ait eu des objets de Guppy. Quoi qu'il en soit, il a investi dans un deuxième cœur bleu au magasin et trouve, voilà, ça fait effet. Quoi qu'il drop beaucoup de cœurs, aurait-il la queue de Guppy? Il ne semble pas l'apercevoir. Un cœur noir trouvé ici. Et c'est bon, Radical Edward qui est à nouveau dans la zone safe au niveau des points de vie. Et qui trouve son boss. Il est devant Mumsfoot.
Radical Edward. Les deux joueurs n'ont pas d'orbito. Une Red Mom serait plutôt pénible. C'est une Blue Mom. Eh ben, ça aussi, c'est pénible pour Radical Edward. C'est une maman qui va balancer des ennemis beaucoup plus chiants, résistants et agressifs qu'une maman normale. Mais oh là là, le DPS est là avec le Book de Belial. Ça, c'est une vraie boucherie. Ça pète. Le Devil Deal, quel est-il? Il y a les robes cérémoniales. Bien évidemment. Tant pis pour la tête de Guppy, la robe cérémoniale qui trade les cœurs bleus de Radical Edward pour des cœurs noirs. Et lui donne un dommage up dans le boss rush. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a les méga bombes, il y a la prayer card, il y a l'excellent Undefined qui fait des téléportations random mais puissantes qui vont en général ou au boss ou à l'item room ou au secret room ou dans la glitch room. Mais il va conserver son bouquin de Belial et descendre dans l'utéro 1. Radical Edward avec 6 cœurs. C'est passé aussi pour Aero Kanzaki qui a investi dans la clé de maman. Au magasin qui a pris son Polaroid là et qui s'est téléporté de son Polaroid et pas du boss rush. Alors j'imagine qu'il avait rien d'intéressant au boss rush, sinon j'ai loupé une info. Il va reprendre sa rune de pureté, la rune de pureté qui élimine toutes les malédictions, enfin qui élimine les malédictions au cours de l'étage et qui soigne également d'un demi-cœur. Ah mais du coup oui, c'est pour le schnapps, c'est rigolo. Du coup, en utilisant sa téléportation au moment où il prenait le Polaroid, eh bien il se retrouve dans une situation où il cumule Polaroid et négatif. Donc bah, c'est plutôt rigolo. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il va se faire toucher à partir de maintenant à Aero Kanzaki, non seulement il aura l'effet du Polaroid avec un bouclier, mais aussi l'effet du négatif, il balancera l'effet de mort. Et du coup c'est assez puissant. Chaque fois qu'il se fera toucher, ça sera. Il aura un bonus défensif ou offensif d'un coup. Oh la Brimstone trouvée par Radical Edward qui va faire l'impasse sur Brimstone. Alors ça peut en surprendre beaucoup. Je ne sais pas ce que... évidemment on n'a pas son tracker, donc c'est difficile de calculer tous les dommages up qu'a eu Radical Edward. C'est vrai qu'il a double shot. On rappelle que Brimstone ne synergise absolument pas avec double shot. Donc il choisit de rester sur ses larmes. C'est vrai que son débit de larmes est bon. Elles sont énormes. Pourquoi pas après tout. Même si son Brimstone aurait chargé relativement rapidement et je pense que le dommage aurait été là. Ainsi soit-il, Radical Edward garde ses points de vie et joue double shot. Et Grid dit, il a tellement raison, voyez-vous. Mais moi, je trouve que ça se défend comme décision également. Pourquoi il n'utilise pas de tracker le sac? Parce qu'il a des problèmes avec son tracker, parce qu'il est superstitieux et parce qu'il joue sur un Pentium 133. Attention à l'œil laser qui est protégé, voilà ce qui est fait. Encore un coffre rouge qui tombe, pas d'objet de Guppy, mais Radical Edward qui a fait un bon pari avec ce left hand. Il était à un cœur bleu hein, il n'y a pas si longtemps que ça, et maintenant il est à 8 cœurs. Radical Edward, c'est confortable. Et Aero Kanzaki a certes un couteau absolument surpuissant. Les deux joueurs n'ont pas de mapping, le seul souci c'est que là où Radical Edward a bien piffé, Aero Kanzaki lui est en train de complètement nettoyer son Boom One et n'a toujours pas trouvé son premier boss, alors que Radical Edward lui est à la recherche de Mom's Heart It Lives. Ça y est, Aero Kanzaki est devant son boss. Aero Kanzaki qui est également la Bible satanique, qui est un confort absolu mais qui fait perdre quelques secondes hein, mine de rien, toutes ces utilisations de Bible satanique. Et c'était un cul-de-sac pour Radical Edward qui a bombé avec une de ses dernières bombes. Les deux joueurs ont très peu de bombes. Touche ici d'Aero Kanzaki contre son The Cage. Il n'a plus le bouquin de Belial et il n'y aura pas de Devil Deal. Il n'avait pas Goat Head, contrairement à Radical Edward. Il bascule Womb 2. Également Aero Kanzaki, c'est serré. Très très serré cette race. Une clé récupérée par Radical qui passe un sale quart d'heure sur ce Womb 2. Si jamais Aero Kanzaki trouve vite son Hit Leaves, la tendance s'inversera. Et les deux joueurs reviendront à égalité. Ça y est, Radical Edward trouve enfin son boss. C'est parti, Boucan de Belial. Et il va falloir essayer d'esquiver ses petits yeux. Le DPS est là, hein. Le DPS est clairement là. Ça sera quand même les yeux, l'œil 3 et 4 qui apparaîtront. Et c'est parti pour les grosses bouboules. Radical Edward qui tamponne au corps à corps. Qui fait quelques pas de côté et c'est un perfect sur It Leaves. Direction la cathédrale. Aero Kanzaki lui doit trouver son boss. Il est en face d'une curse room pour l'instant. Et là où Radical Edward est bien parti, c'est qu'il a toujours sa carte The Emperor en main. En plus d'avoir un peu d'avance. Il n'a certes pas le couteau. Mais son build est bon. Ah, il a récupéré des bons en plus, je n'avais pas vu. Donc voilà, il peut s'échapper de ce genre de traquenard.
Mais Radical Edward encore dans une salle à la con. Le DPS c'est bon, donc ce n'est pas un problème. Tous ces petits ennemis, c'est juste une question d'esquive. Fait toucher, hélas ici, mais toujours 6 cœurs pour Radical Edward. 8 ennemis pour Ayokanzaki qui a pris quelques touches sûrement pour accélérer le mouvement. On vous rappelle que quand il se fait toucher, il déclenche Polaroid et négatif en même temps. Il a cumulé les deux en se téléportant instantanément quand il a touché le Polaroid. C'est plutôt intéressant comme tactique. Il a 14 clés mais n'ira pas voir ce coffre rouge. Ayokanzaki toujours à la recherche lui aussi. Et là se perd dans son Boom 2. Ah oui, ensuite c'est vrai qu'il a le cœur, il a des cœurs noirs. Alors je ne sais pas s'il y a synergie cœur noir plus négatif. Bonne question. Allez, Hitleaf, c'est bon, c'est parti pour Ayokanzaki qui va d'abord assurer le kill des yeux et qui va faire le reste de son taf avec le couteau et Little Brimstone. Ça va bien évidemment être une boucherie. Voilà qui est fait. Il va basculer cathédrale. Radical Edward, lui, passe un sale quart d'heure, ne trouve pas son Isaac. N'est plus qu'à 5 cœurs. Mais ça y est, il est devant. Une salle un peu pénible encore. Il va quand même essayer de faire ça proprement et de ne pas faire péter un cœur noir. Il peut pas trop se le permettre. Il a 12 clés en tout cas. Il verra le contenu de son chest, Radical Edward. Et surtout, une fois son chest pris, il se les téléportera directement au boss. Cherche les salles secrètes. Oui, il trouve la super secrète avec une machine de bonne aventure qui va insta-exploser. Juste laisser une bombe et du pognon. C'est parti pour Isaac, le Book of Belly, elle est craquée. Et donc les belles doubles larmes énormes de Radical Edward. Essayer d'être un peu solide sur esquive, ce n'est pas le cas. Il peut même pas bénéficier de son Polaroid pour quoi que ce soit d'autre, à part une bombe, vu qu'il n'a pas d'orbito. Mais ça se passe très bien. Le DPS sera suffisant pour que Isaac se téléporte instantanément après chaque salve de larmes. Oh là là, ça par contre, c'est vraiment dommageable. Radical Edward qui se fait toucher de manière complètement gratos sur une vague de larmes d'Isaac et qui a 3 cœurs. Heureusement, Isaac drop un cœur bleu direction le chest. Voyons voir quel est le contenu des coffres de Radical Edward. Pas de malédiction. Ah, il n'a pas lâché sa main jaune. Sa main jaune. Non, la main jaune, c'est une boîte à Paris. Sa main gauche. Il n'a pas lâché sa main gauche et donc n'a eu que des coffres rouges. Il a fait l'impasse sur ce qui aurait pu être quelque chose de monstrueux. Ce n'est pas grave parce que regardez, le Blue Baby se fait absolument défoncer et ça va être un... Ah non, ça ne va pas être un sub 20 mais presque pour Radical Edward. Ça passe alors qu'Ayokanzaki lui arrivé contre Isaac, c'est bon. Radical Edward fait tomber le Blue Baby. Ah, il doit se débarrasser de quelques mouches et toucher le coffre. C'est 20 minutes 05 pour Radical Edward qui termine en premier cette run sur Judas. Allô messieurs, c'est terminé! Ouais! C'est terminé messieurs, Radical Edward a terminé en premier avec une très jolie run 20 sur 20. Et c'était assez serré tout du long, mais oui, Radical Edward avait pris un peu d'avance et avait une carte empereur pour la fin. Ayokanzaki avec une belle run également qui nous a fait la petite fantaisie de cumuler Polaroid et négatif. Ah, c'était un hommage. Un hommage, oui. Et donc c'est Radical Edward qui prend... le premier point, son ver de terre devient un petit serpent. C'est magnifique. Très bien. Et du coup, si vous êtes chaud pour enchaîner, je vous invite à vous positionner avec votre prochain personnage qui est en l'occurrence K1 Kane Camaro. Ah, Cyril Lamy. Je suis prêt. Très bien. Je rêve d'un monde où quelqu'un meurt contre les mouches après le Blue Baby. Avec Radical Edward s'est fait toucher, m'avait récupéré des cœurs. Ah mais je pense que certains de mes choix a dû soulever le chat et même toi dans les commentaires. Mais... Et non, moi j'ai trouvé que ne pas prendre Brimstone avait du sens. Et Grid aussi d'ailleurs. Il y a certains mais gens en effet qui se sont levés. Prendre Goathead avec Judas c'était plus discutable, mais je crois que c'était pour activer War of Babylon que tu l'as fait. Je crois que t'avais War of Babylon que t'as pris juste derrière. Donc bon. J'étais en mode autopilote honnêtement. Bon, très bien. Donc en tout cas c'est plié, c'était en 20 minutes 05 cette run là, reset compris. Vous êtes Radical Edward, j'ai encore des resets de son côté. Êtes-vous prêt? Une autre OST, c'est bon. Ça fait 3 heures de cheval. Oui, alors je vais vous mettre une autre OST, les gens sont possédés. Le problème c'est qu'il faut que je mette des OST qui ne soient pas strike par YouTube. Alors écoutez, j'y réfléchis fort.
La Super Meat Boy, ah, très bien. Ready. Vous êtes tous les deux prêts, très bien. Et eh bien écoutez, on va. Moi j'ai tout de prêt également. Et eh bien on va y aller. Donc 3, 2, 1, bonne chance à toutes. Bonne chance. Bonne chance. Allez, donc ils sont repartis dès qu'il y a du mouvement sur la salle de départ. On lance le timer. L'OST de PES 2008. Grosse ambiance. Et ça bouge du côté des Rokanzaki qui visiblement est toujours un petit peu en avance. Oh là là, mon dieu, Radical Edward qui semble avoir trouvé Insta sans reset alors que ça charge la vidéo chez lui. Je ne sais pas si c'est un changement de setting ou un problème offline. Ah, c'est un peu dommage d'avoir la connexion qui pète alors qu'il trouve Proptosis dès la première seconde. On va recharger chez Radical Edward. On a perdu Radical Edward. Espérons que c'est juste un drop. Radical Edward. Ah, Radical Edward qui n'est plus sur Mumble également. Radical Edward s'est déplacé dans le salon Live 2. Alors il a l'air d'être revenu. Il est revenu instantanément. Je vais le reprendre en direct. Radical Edward, est-ce que ton stream se relance? Oui. Ah mais moi je suis en jeu là. La réponse est oui. Bah vas-y, pas de problème. C'est juste une déconnexion intempestive. Continue. C'est bon, pas de panique, on est bien, heureusement, ça aurait posé des doutes si on n'avait pas vu que Radical Edward avait chopé Proptosis, mais c'est le cas. On l'a vu juste avant la déconnexion et il est donc en train d'affronter ses Gurglings 2, et là il était en train de faire du moonwall contre le mur, sûrement, c'était sûrement le moment où il me parlait. Je vous rappelle que les Gurglings, tels les Skeletors, peuvent être manipulés en collant le mur, ils ne foncent pas sur vous comme ça. En tout cas, c'est Monstrous Lung, hein, un starter ambitieux pour Aero Kanzaki, Monstrous Lung qui peut hein, devenir absolument génialissime par la suite. Paris sur l'avenir donc, ce rocher marqué lui donnera un cœur bleu, tandis que Radical Edward lui donc a battu ses Gurglings et bascule vers le Basement 2. Je n'ai pas vu ce qu'il a obtenu avec ses Gurglings et je vous le rappelle, bien entendu, il nous fait l'honneur de jouer sans tracker car il a un PC de l'an 2 et il est superstitieux, rocher marqué ici. Avec un cœur bleu donc trouvé pour Radical Edward, ce qui va le protéger. Pour un éventuel Devil Deal Super Pride ici. Ah là là, touche. Hélas, hélas, c'est vrai que les cacas rouges disposés ici là n'aidaient pas. La carte est un Two of Diamonds. Pour l'instant, Radical Edward n'a pas de pièces. S'il l'utilisait tout de suite, il n'obtiendrait que deux pièces. Le but de ces cartes à jouer sont évidemment de doubler vos ressources. Donc il va attendre d'avoir un peu de pognon plus tard, je pense. Il a sa clé en tout cas pour... Ah, il a eu la photo déchirée, très bien, donc il a augmenté son débit de lame. Oh là 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 là, Radical Edward qui trouve un excellent objet, en l'occurrence la boule de cristal. La boule de cristal à chaque utilisation va eh bien, vous donner le mapping intégral de l'étage et vous dropper ou une carte à jouer ou une carte de tarot ou surtout un cœur bleu. Donc c'est de très très bon augure pour Radical Edward. Crystal Ball, c'est un des meilleurs objets qu'on puisse avoir si on est assez fort en dommage. Et le starter Proptosis pour l'instant carry amplement Radical Edward. Lost Contact trouvé par Aero Kanzaki, ce qui est plutôt une bonne chose avec Monstrous Lung. Le seul problème des larmes blindées qui absorbent les tirs adverses, c'est qu'elles sont annulées quand elles absorbent les tirs. Mais disons qu'avec Monstrous Lung, on balance tellement de larmes que ça sera moins problématique. Radical Edward qui bascule donc aux cavernes. Que s'est-il passé? Il y a eu un Devil Deal de prix. Oui, le Ghost Baby, hein, c'est pas terrible, c'est même nul. Mais il ne devait y avoir que ça. Il a voulu starter les Devil Deal. C'est plutôt très bon pour Radical Edward s'il récupère des points de vie. Chose qui sera possible en l'occurrence, entre autres, avec sa boule de cristal qui pourrait être utilisée dans deux salles afin d'avoir le mapping intégral. Quoique je n'avais pas vu, il est en Curse of the Lost. Je ne pense pas que la boule de cristal fasse sauter la malédiction. Are you a wizard? Pilule piffée par Aero Kanzaki qui a eu Little Steven contre son boss. Le match de 15h a été gagné par 1-2-3 Lunatic 3-0 contre Balmora. Yamato, son match sera contre Brothermain sûrement vendredi. Moult pognon trouvé ici par Okanzaki qui a presque de quoi s'acheter un objet à 15. Oh là là, le stream de Radical Edward qui drop pas mal. Allez, c'est bon, il a trouvé sa clé pour l'item home. C'est Nodeleaf, l'objet de la triche du slow run. Nodeleaf, je vous le rappelle, si vous restez immobile 2 secondes, eh bien vous vous transformez en statue et vous êtes invincible. C'est très rigolo à utiliser si vous avez des orbitaux style Meat Boy, Ball of Bandage ou la dague sacrificielle ou Daddy's Long Legs, bien sûr.
comme ça vous restez immobile et vous êtes invincible et vos familiers font le taf pour vous. Il y a moult clés, ce sera intéressant de les prendre pour Ayo Kanzaki. Il en a pris une sur les deux. Et cherche les deux hein, qui sont en malédiction. Mais Radical Edward, je n'avais pas vu, qui est dans l'embarras avec seulement un cœur rouge. Ah là 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 là, et qui se fait toucher dans les cœurs rouges ici contre le boss. C'est l'assurance, à mon avis, de ne pas avoir de Devil Deal. Paf, la pastèque. Cependant, bonne nouvelle avec ses hormones de croissance du dommage up. De bon augure pour son propre Tosis, mais il repart de rien. Niveau charge pour sa boule de cristal, ça aurait été intéressant presque de conserver ça. Le parfum de maman trouvé par Ayo Kanzaki dans son item room qui va voilà, conférer l'effet de peur sur certaines de ses larmes. Vous voyez ces larmes jaunes qui sont concernées. Et qui combat ici à Pestilence. Il aura donc un cube de viande ou une boule de pansement derrière. Radical Edward en avance, mais Radical Edward avec si peu de vie une fois de plus. Mais cette boule de cristal, si jamais il arrive à envoyer cette run loin, il aura vraiment un avantage assez lourd. Il y a un demi-cœur éternel là, il semble qu'il va le prendre d'office. Cube de viande donc pour Ayo Kanzaki, option offensive et défensive. Contrairement à la boule de pansement, le cube de viande est également défensif. Il capte, il absorbe les larmes adverses. Ouh là là, moult ennemis explosifs ici. Ça, là, c'est bien géré par Okanzaki. Et voilà, la boule de cristal de Radical Edward qui lui lâche un cœur bleu et lui donne donc l'intégralité du mapping. Semble-t-il qu'il revient en arrière pour l'instant. Quel est son projet? Eh bien, le recharger immédiatement, bien entendu. Et The Devil sera la carte laissée. Il hésite, il garde son Two of Diamonds. Peut-être pour du shopping à venir. Il est prêt de son shopping. Il peut y accéder via des bombes ou via des clés. C'est au choix. Ayo Kanzaki lui est devant une challenge room à HP qu'il ne peut négocier, il a deux cœurs rouges pleins, remplis. Et se retrouve maintenant devant son item où il a 4 clés, il va pouvoir la consulter. Quand il sera débarrassé de ses mouches qui pètent, Radical Edward également est devant son item room et c'est le Brother Bobby trouvé, familier pas fou, qui fera de pair avec son Ghost Baby. Et là, c'est là s'il se fait sniper par un IPKAC d'un de ses stalkers verts et se retrouve encore sans cœur bleu. Alors s'il gère bien Radical Edward, là, il va ramasser un max de pognon. Oh là là, quelle erreur. Il n'a pas utilisé son Two of Diamonds. Après avoir pété la machine de don moult fois, il aurait pu doubler son pognon. Là, il fait une opération où il perd de l'argent au final. Et va-t-il... Bon, il va pouvoir quand même acheter une des deux choses. Oh là là, très surprenant de voir Radical Edward ne pas claquer son... Je crois qu'il a oublié qu'il avait le 2 de carreau. Et du coup, faire l'impasse quand même sur... Bah voilà, il l'utilise... Non, il l'utilise pas, il la récupère. Mais faire l'impasse quand même sur Dare's Options, qui est tellement puissant. Dare's Options qui vous permet d'avoir le choix entre deux objets quand vous battez un boss. Et également l'item martyr qui lui aurait permis de recharger sa boule de cristal quand il se fait toucher. Surprenant de voir Radical Edward throw comme ça. Il va prendre le pentagramme qui va lui donner un full dommage up, bien sûr. Vu qu'il va récupérer un cœur rouge au prochain étage, qui sera Depth One. Mais ouais, il a un peu merdé Radical Edward là-dessus. C'est dommage quand même de pas avoir eu Dare's Options dans cette histoire. Ayo Kanzaki là qui s'est fait toucher. Two of Spades trouvé utilisé par Ayo Kanzaki qui n'avait pas de bombe. Donc c'est plutôt un bon move. Il se retrouve du coup à deux bombes. Et il a bien utilisé, oh oui, très très bien utilisé. Ah dommage, une touche ici, est-ce que ça va sacrifier le Devil Deal? Oui, mais dans son bonheur, il trouve un bonheur avec le Magic Mushroom. Par contre, il a oublié, il n'a pas repéré le rocher marqué qu'il y avait en haut à droite de sa salle de boss. Et qui lui aurait permis de récupérer des cœurs bleus, ma foi, ou un excellent Small Rock. Alors que Radical Edward se fait plaisir ici et se redonne des cœurs. Il a trouvé la pilule d'énergie de 48 heures. Et donc a pu utiliser sa boule de cristal 3 fois, ma pique intégrale, une carte et deux cœurs bleus de dropper donc. Et il sait où il doit aller, il va commencer à bomber pour optimiser. Two of Spades c'est les clés, oui j'ai dit n'importe quoi, j'ai dit de la merde en boîte. Il a doublé ses clés, c'est le Two of Clubs qui fait les bombes. Écoutez, hein, je ne peux pas tout maîtriser. L'erreur est humaine, etc., etc. Oh, crédit carte trouvé par Radical Edward. Alors, utilise ton Two of Diamonds. Mais qu'est-ce qui me fait
Oh, il va me rendre fou. Si tu veux laisser ton Two of Diamonds, tu utilises. Voilà, merci. Ah, c'est agaçant. Donc la credit card récupérée par Radical Edward, la credit card à l'utilisation vous permet d'acheter l'intégralité des objets d'un magasin gratuitement ou les objets d'un Devil Deal. Et là, c'est beaucoup plus intéressant, évidemment, de pouvoir, par exemple, si vous trouvez sur un Devil Deal à 3 objets, vous pouvez prendre les 3 gratos sans utiliser de cœur rouge. Et c'est pas dégueulasse. Radical Edward qui claque sa dernière bombe pour se débarrasser de cette salle pénible. Qui se fait toucher, il se fait trop toucher, Radical Edward. Heureusement qu'il y a cette boule de cristal. Ah, Orphid qui a fait son repassage devant Tyrion of Legends. C'est beau. C'est beau. La France qui fait son repassage et son ménage. Allez, une boîte de Pandore. Depswan, c'est bien. C'est bien, Depswan. Ce sera 4 cœurs bleus. Ça ne se refuse pas dans cette situation. Il peut reprendre sa boule de cristal et décider ou bien de conserver son argent. Ou bien. Attention, tu es à côté d'un feu de camp possédé. Oh là là, il me fait peur. Il me fait peur. Très bien, Radical Edward récupère un cœur bleu et décide de s'en aller. Magic Fingers et les batteries sont proposés dans le magasin de Hiro Kanzaki. Hiro Kanzaki qui semble-t-il a fait une bourde avec sa sauvegarde. Il n'a plus que 72 pièces dans sa machine de dons. S'il le désire, on lui proposera de réinstaller une sauvegarde avec plein de pognon. Parce que là, du coup, il se retrouve condamné à remettre du fric dans sa machine de dons. Chose qui n'est pas nécessaire. Radical Edward qui a snipé son rocher marqué et qui obtient un énième cœur bleu. Il est très très bien, Radical Edward, maintenant. Et en plus, sa boule de cristal est rechargée pour son Depth 2 à venir. Tandis que Hiro Kanzaki est en train de se débarrasser de son boss de Depth 1. C'est War qui va lui permettre à son Meat Boy de passer niveau 2. Et God Room, donc, et oui, il n'a passé aucun Devil Deal. Le pauvre Hiro Kanzaki qui obtient 3 cœurs bleus. Mais heureusement qu'il a eu le Magic Mushroom car ça commence à se voir. Ça commence à être... faiblard, je n'ai pas vu ce qui s'est passé du côté de Radical Edward. Il a toujours sa carte de crédit en main, il a toujours un cœur, donc j'imagine qu'il n'a pas eu grand chose. The Fool. The Fool est obtenu, mais The Fool c'est parfait. Il pourrait, s'il le désire, sniper un objet du boss rush et récupérer sa crédit card ici. Et il semble partir dans cette direction. Hiro Kanzaki donc au Depth 2 également, c'est serré. Incroyable. 4 Gurglings ici pour Radical Edward, rien de trop grave. Bon, je reviens.
Ok, de retour donc, nous y sommes, désolé. Alors Utero 1 pour Aero Kanzaki qui s'est bien débarrassé de Mom et a obtenu moult objets, hein, mine de rien. Dans son Debs 2, en l'occurrence, là on a Pieces qui a augmenté son débit de l'arme. Et on a, ça c'est plutôt surprenant, il a fait le pari à un petit moment déjà, de passer sur Technologie 2 qui certes lui donne un laser qui fait du dommage, comment dire, persistant. Mais qui fait quand même pas mal baisser son dommage. Et on le voit ici avec Lust, c'est efficace, hein, c'est persistant. Mais ça fait pas tant de dommages que ça, Radical Edward, quant à lui, toujours crédit card en main. Avec, avec peu de cœur, enfin 6-5 et demi quand même. On est The Womb maintenant, chaque touche fait un cœur complet. Et surtout, les deux joueurs n'activent pas leur Polaroid quand ils se font toucher. Mais voilà, Radical Edward bénéficie toujours de cette Crystal Ball. Crystal Ball utilisait deux salles avant le boss. Alors certes, la perspective du cœur bleu était intéressante. Mais est-ce que c'était vraiment le bon choix de du coup devoir refermer des salles derrière pour réobtenir son mapping à l'Utero 2? Ainsi soit-il. En tout cas, ouais, c'est Conquest qui est en train de prendre la max ici. Le Proptosis avec le two-shot hein, de Radical Edward, toujours aussi efficace. Ace of Spades échangé pour Aero Kanzaki. Oui, le Ace of Spades qui va du coup permettre à Aero Kanzaki de récupérer moult, comment dire, moult cartes, alors que Radical Edward a claqué son dernier cœur dans un Devil Deal. En l'occurrence la dague sacrificielle, et a choisi ensuite, bien entendu, vu que c'était le dernier Devil Deal, d'utiliser sa carte de crédit pour prendre le Demon Baby gratuitement. C'est presque dommage que Radical Edward n'ait pas de BFF, tant il est en train de se coltiner une petite famille de familiers derrière lui, avec en plus comme trinket le Blue Baby Soul, qui du coup compte aussi, entre guillemets, comme un familier. Ah, il s'est reroll, d'accord, ok, bah désolé, hein. Désolé, j'étais pas là, voilà, j'ai remis le chat juste pour voir cette info, parce que ça me semblait extrêmement bizarre de voir ces objets qui n'avaient aucun sens. Très bien, merci beaucoup, à plus, hein, on se tient au jus. Alors, eh bien oui, reroll, donc, d'Aero Kanzaki, YOLO, YOLO mode, oui, je vous disais aussi, il n'avait pas starté Proptosis, il avait starté Monstro's Lung, et force est de constater aussi qu'il était dans une partie sans Devil Deal, donc forcément, Monstro's Lung, si ça ne devient pas quelque chose d'absolument démoniaque, eh bien, c'est plus une tarque autre chose, et c'était audacieux hein, de starter Monstro's Lung pour Aero Kanzaki. Radical Edward qui se fait un peu trop toucher dans ce Utero 2, qui a enfin eu son mapping et qui touche le Liberty Cap. Alors le Liberty Cap, oui, est-ce qu'avec la Crystal Ball c'est nécessaire? Pas vraiment, surtout s'il optimise bien ses rerolls. Mama Gurdy qui est en train de partir avec le jeu Technologie 2 des Enfers, et là c'est un énième HP up, mais quand même avec l'effet de régénération, et vu que Aero Kanzaki n'a que des cœurs rouges, et eh bien pourquoi pas, ça a du sens. Boom 2 donc également pour Aero Kanzaki, qui va décider de bomber l'intégralité de ses mendiants. Une carte à jouer, c'est la Chaos Card, excellente nouvelle pour Aero Kanzaki, qui pourra one shot un boss donc plus tard, et ça, ça n'a pas de prix. Les petits jeux finis à la piste hein, bien entendu, et c'est ça qui est beau, c'est ça qui est beau, c'est ça qui est bon. Il est tout prêt. Oh là là, Aero Kanzaki qui a trouvé mine de rien son Eclipse en deux frames. Alors que Radical Edward a quand même pas mal baroudé pour le trouver. C'est perdu. Et c'est Technologie 2 qui permet à Aero Kanzaki se débarrasser des yeux vite. Mais que ça va être long ce combat. Voyons voir où on en est. Tandis que Radical Edward n'a pas. Alors j'allais dire que Radical Edward a pas mal optimisé avec sa dague sacrificielle. Oui et non, parce qu'il se retrouve à un demi-cœur. Sans résurrection, il faut que cette carte. Et ben voilà, la boule de cristal qui ne lâche pas de cœur bleu. Juste une carte The Moon qui va être utilisée alors qu'il était juste à côté. Radical Edward qui a peut-être un peu trop joué le chaudard et qui est bien dans la merde. Avec un personnel de merde qui l'a foutu dans la merde. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que eh bien, il n'a plus le droit de se faire toucher tant qu'il ne trouve pas de rocher marqué de solution ou qu'il puisse réutiliser sa Crystal Ball. Il n'y a qu'un coffre normal dans la challenge room, ça sera ignoré. Pour l'instant, pas de salle problématique, c'est bon pour Aero Kanzaki, hein, qui bascule également cathédrale avec 3 cœurs rouges. Toujours la Chaos Card en main, mais les deux joueurs qui sont vraiment dans des situations relativement précaires. La régénération s'est activée là pour Aero Kanzaki, 3 cœurs et demi maintenant. Je vous rappelle, hein, Aero Kanzaki avec son placenta regagne un demi cœur rouge toutes les 40-50 secondes, grosso merdo.
Et Radical Edward a trouvé dans un feu de camp bleu un cœur bleu, de quoi eh bien, se permettre de se faire toucher une fois. Mais il se fait toucher immédiatement par ses maudites Kuyoming. Il est à une charge de sa Crystal Ball, Radical Edward. Il va peut-être encore une fois réussir à sauver son petit boule, mais de rien. Voyons voir de quoi il en retourne. Dernier fantôme pour lui. Paf ! La pastèque, Crystal Ball, c'est bon. Un cœur bleu. Mais il va vraiment... Oh là là, quelle salaud. Il a une bombe, il a une bombe. Il faut, voilà, jeu de jambes. Il n'est plus qu'à 3 salles d'Isaac. Radical Edward, ça peut le faire. Il a 9 clés. Il peut être tenté. Hein. On sait jamais, un cricket 7, c'était moins cher que gratuit. Mais non, il ne tentera pas. Est-ce qu'il va nous faire... Oh là là, il tente de nous faire la dague sacrificielle. Mais je le sens pas trop sûr de lui. Et donc, il se fait toucher d'emblée. Et c'est chaud. Voilà, le Polaroid se termine. Il va devoir se remettre en position. La bonne nouvelle... Ah, la bonne nouvelle, c'est qu'Isaac était sur le point de se téléporter. Mais le halo de lumière qui apparaît de manière aléatoire aura raison de Radical Edward. Qui est en train, donc, de... eh bien, qui doit... recommencer. C'est terrible. Alors que Aero Kanzaki également est dans eh bien oui, dans la torpeur, dans la tourmente. Oh, petite, ça c'est très intéressant. Y aurait-il Black Market pour Aero Kanzaki? Y aurait-il Skip d'Isaac? Ça déconne zéro. Bon, et oui, il a raison de terminer ce combat, hein, parce que s'il n'y a rien, il doit recommencer dès le début et c'est plutôt pénible. Voilà qui est fait, la clé. Alors qu'y a-t-il dans cette échelle de corde? La clé n'a pas été prise. Non, hélas. Hélas, hélas, c'est juste, juste ça. Il y a un choix à faire. S'il loupe pas son black... Qu'est-ce qui s'est passé? Il se... Qu'est-ce qu'il fait? Ah oui, Judas Shadow. Oh, il a failli sortir. On a vu un bug mystique, on a cru qu'il sortait du mur. Oh là là, il s'est transformé en Judas Shadow, mais il se fait toucher directement en sortant par des pics. Ça, c'est peut-être pas le bon move. Et du coup, maintenant, oui, il va aller prendre son demi-cœur éternel, ça a du sens. Justice! Allez, peut-être un petit cœur bleu, non, c'est un cœur rouge, hélas. Il récupère sa Chaos Card. Radical Edward qui, quant à lui, a l'air d'avoir... Oui, il a starté Cricket 7, clairement. Et a trouvé un cœur bleu. Et ce combat ici contre Widow. Donc très bonne nouvelle quand même, hein, cette transformation Judas Shadow pour Ayokanzaki qui du coup maintenant fait vraiment du dommage. HP up pour Radical Edward qui bascule donc Basement 2, Cellier 2 après ce décès à la cathédrale contre Isaac. Ouais, le DPS malgré technologie 2, malgré le reroll de perso est assez bon. Pour Ayokanzaki, oui, qui va cependant devoir jouer du jeu de jambes, oh mon dieu. Et qui est hélas dans une nouvelle impasse. Carte de force laissée évidemment pour la Chaos Card. On verra si la Chaos Card sera utilisée pour Isaac ou pour le Blue Baby. La logique voudrait que ce soit pour le Blue Baby. Même si Isaac est plus pénible au final peut-être. Ah, excellent. En plus avec l'effet I Can See Forever. Y a-t-il un cœur? Non, il y a moult pilules. A-t-il testé les pilules I Can See Forever? Il va tenter. Il n'a pas de point de vie. Pourquoi pas après tout? Non, rien d'intéressant hélas. Il n'y aura pas de Hierophant, enfin de Balls of Steel plutôt. Aero Kanzaki qui va choisir de se taper Isaac à la loyale. Espérons pour lui que ça paye. Il n'a plus hein, les larmes blindées. S'il avait les larmes blindées, ces combats-là seraient gratuits, mais il a perdu ses larmes blindées en rerollant son perso. Pour l'instant, Aero Kanzaki qui esquive bien. Il n'a le droit de se faire toucher qu'une fois cependant. Voilà, il se débarrasse des jeux de finances. Gardez attention au split shot, c'est passé. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il bougeait plus? Quelle mouche l'a piqué? Aero Kanzaki a un cœur noir, donc protégé d'un demi-cœur éternel. Attention au split shot, c'est bon. Et c'est les téléportations d'Isaac. Attention au troll de Joséphine Ange Gardien. Il s'en débarrasse. Non, pas encore, presque. Parce que le DPS... non, Isaac n'a pas subi assez de DPS. Si, c'est bon. Téléportation. Aero Kanzaki qui se range au milieu. Alors que Radical Edward a une chandelle bleue depuis. Et affronte son Dingle de Basement de Aero Kanzaki qui se cache bien. Il se colle bien au milieu. Encore à mon avis une phase de TP à venir derrière ça. Alors que Radical Edward, attention, si jamais Aero Kanzaki décède, Radical Edward a trouvé Brimstone et atterri cave 1. Brimstone à Cricket 7. Oh là 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 là, la touche, le décès. Oh là là, le double KO. Quelle erreur.
Et Rokanzaki, c'est terrible, qui allait accéder à son chest, qui avait la Chaos Card pour tuer le Blue Baby, a choisi de la conserver, hein, pour le Blue Baby d'ailleurs, et a voulu taper Isaac à la loyale, mais avec un build assez faible, et hélas, les skills n'étaient pas là, et Rokanzaki qui laisse filer la victoire potentielle, alors que Radical Edward, lui, vient d'entrer avec un Brimstone et est plutôt bien engagé. Trouve le 3$ bill qu'il pourrait prendre, bien entendu. Il va le prendre, le billet de 3$ qui va lui donner des effets de larmes aléatoires à chaque salle. Avec Brimstone, c'est absolument gratuit. Pas comme ça, Zinedine, c'est terrible. Aero Kanzaki condamné à trouver un nouveau starter. Radical Edward qui essaye de cumuler Brimstone et Flamme Bleue. Oh là là, esquive du bout du slip. Ah là là, il va se faire toucher hélas contre Chubb tout de même. Y aura-t-il Devil Deal? La réponse est oui, avec un HP up, les cellules souches et l'excellent robe cérémonial. Il perd un cœur rouge, le cœur rouge qu'il vient de gagner, mais gagne 3 cœurs noirs et surtout gagne, eh bien oui, un full dommage up, alors que Polyphème a été trouvé relativement vite par Aero Kanzaki qui hélas va se faire giga troll ici. Non, c'est bon, il y a eu touche et ouverture de salle super secrète. Il trouve le penny brûlé qui va lui donner 50% de chance quand il récupère une pièce d'obtenir une bombe également. Et s'approche de son boss de Cellier 1. Il n'a pas de cœur en protection, mais voilà, des bombes à l'infini. Et ce boss aura Widow en plus, c'est plutôt cool, pas de Zian qui soit. Attention cependant, encore une touche prise dès le début de ce combat par Aero Kanzaki. Encore une touche. Attention à ne pas décéder, ça serait fort dommage. Polyphème qui a le potentiel de devenir monstrueux. Et qui carry au début. Les cellules souches, voilà, c'est bon, il se remet full life. Quasiment, Aero Kanzaki part vers un cellier encore, hélas pour lui. Attention, Radical Edward qui est encore sur une run left end. J'espère que cette fois-ci il n'oubliera pas de l'enlever. Arrivé au chest. Mais en tout cas, pour une fois, Radical Edward a moult points de vie et il doit faire un choix. Il va abandonner sa chandelle pour prendre la tête de Krampus et asphyxier les boss. Deux téléportations et Guppy Scholar trouvé dans cette salle spéciale. I can see forever. Bad trip. Il piffe toutes les pilules. Et Aero Wizard qui n'agit pas sur Brimstone. Donc aucun souci. Et Aero Kanzaki qui vient de se faire toucher par ses araignées. Qui du coup met l'apparition de son Devil Deal en péril. Et deux cœurs bleus récupérés dans ce rocher marqué. Cependant, encore une chance, hein, s'il ne se fait pas toucher contre ce boss, Aero Kanzaki, d'avoir son Devil Deal. Alors que Radical Edward obtient sa troisième téléportation vers sa Devil Room. Batterie ici pour la tête de Krampus éventuellement. Qu'il pourra aller rechercher si le boss n'est pas loin. Le virus qui est pris, le virus qui lui donne un tout petit speed down, mais qui lui permettra d'empoisonner les ennemis s'il y a touche au corps à corps. Allez, un magasin intéressant, Radical Edward qui est sûrement intéressé. Oh là 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 là, le marchand qui lâche une pièce de 10 balles. C'est moins cher que gratuit. La chandelle noire prise, donc immunité aux malédictions à partir de maintenant, ainsi qu'un cœur noir pour Radical Edward. Et plus de chances d'obtenir ses Devil Deals. Avec en plus le cœur bleu acheté. Elle est confortable cette run de Radical Edward. Et allez, la super secret également apparue. Il a utilisé une pilule I Can See Forever, Radical Edward, avec une machine de bonne aventure qui va être ignorée. Ziolo accompagné d'un sbire, ça va être un massacre. C'est le cas. Devil Deal, Roid Rage, de la vitesse et de la portée. Et c'est la quatrième fois donc que Radical Edward se rendra dans sa Devil Room, où il y a abandonné sa chandelle bleue pour investir dans Krampus Rage. Pas d'item tracker chez Radical Edward. Hélas, non, Aero Kanzaki qui fait péter son cœur noir dans une salle qui était fort anxiogène et a juste à se débarrasser des araignées. Aero Kanzaki qui est cave 1 maintenant, qui a obtenu la vis pour du tiers up dans son basement 2 et acheté, semble-t-il, le Demon Baby au Devil Deal Fallen. C'est rare au cave, mais c'est une excellente nouvelle. La récompense de ce boss sera forcément un objet de la pool Devil Deal. Voyons voir ce qui s'y passe. Allez, c'est bon, Lord of the Pit avec le vol. Ce n'est pas aussi puissant bien sûr que Spirit of the Night, il n'a pas les larmes spectrales en plus. Et pas de Devil Deal. Le vol donc pour Aero Kanzaki qui a bascule cave 2.
Il y a eu du wipe depuis tout à l'heure. Oui, il y a eu du wipe sur cette run. Kane, Radical Edward et Aero Kanzaki sont morts tour à tour contre Isaac. Et Aero Kanzaki a même fait un double KO hélas contre Isaac alors qu'il avait la Chaos Card en main. Et la possibilité d'avoir un beau chest. Radical Edward qui récupère moult de bombes mais qui va check sa Curse Room. N'oublions pas qu'il a la left hand et que Guppy Scholar est tombé tout à l'heure dans une salle spéciale. Je ne sais pas s'il a touché d'autres objets de Guppy depuis le début. Allez, Radical Edward qui drop encore un cœur bleu et est près de sa salle d'objets, The Command Call. Influencé par la chance, certains de ses vomis seront empoisonnants. Et moult bombes encore ici à récupérer, cette troll bomb qui avance un peu le taf. Il va checker son magasin. Alors, tout à l'heure, c'était Aero Kanzaki qui avait fait l'impasse sur la blue map. On va voir si Radical Edward, lui, va être intéressé par ce mapping un peu partiel et grid. C'est une bonne nouvelle, ce grid qui va lui donner le pognon manquant pour acheter... justement ceci, alors que Magic Mushroom est touché par Aero Kanzaki, excellent. All Stat Sub, du dommage, multiplicateur de dommage. Il investit également dans Guppy Scholar dans le Devil Deal. Et c'est son premier objet de Guppy. Une salle un peu trop lente, il s'est fait toucher Aero Kanzaki, alors que Radical Edward continue à toucher des cœurs bleus, tout va bien. Une nécropole, hein, vu les ennemis visiblement pour Aero Kanzaki, qui n'a pas de carte, peut-être va-t-il, voilà, il va choisir de bomber quelques crânes, histoire d'obtenir quelque chose, des cœurs noirs, des cartes, rien, trouve sa salle d'objets mais n'a pas de clé, alors que Radical Edward, lui, bascule Debs 2 pour aller trouver Mom's Foot. Et direction Debs 2, donc, touche ici, l'effet du virus visible. On rappelle qu'il a également le billet de 3$, Radical Edward, donc son Brimstone peut avoir moult effets, et le Common Cold qui a l'air de s'activer assez souvent. Cœur noir trouvé ici dans ses crânes, il a encore 5 bombes s'il il a envie de trouver une carte de TP. Radical Edward pour shipper quelque chose au boss rush. Quel est son objet? Son objet c'est le Demon Baby, pourquoi pas. Famille des sympathiques de proximité. Salutations Ellen Thorne. Allez, coffre rouge ici, toujours à décaler Edward sur Celeften qui obtient deux cœurs bleus. Et ici, voilà, son Brimstone met du temps à charger car le $3 bill lui donne le triple shot. Donc il va falloir charger longtemps, c'est surpuissant certes, mais voilà, il faut charger plus longtemps, forcément. Inner Eye qui met un gros tears down. Alors qu'Aero Kanzaki, lui, affronte Gish et va obtenir Little Gish, le familier, qui balance des boules noires de Motus et ralentit également les ennemis assez régulièrement. Qu'a-t-on ici? On a une batterie de proposer ainsi que item martyr, la Binnon. Il va juste prendre des ressources et s'en aller, Radical Edward, et ne pas checker sa super secret non plus. Le Brimstone ici qui va faire une bouchée de Seedingle. Voilà, chose faite. Et c'est déjà Mom's Foot pour Radical Edward, tandis que Aero Kanzaki lui a obtenu le Lump of Coal en battant Krampus. Voilà, Radical Edward qui claque sa tête de Krampus qui a fait un dommage monstrueux sur les 4 portes qui s'ouvraient. Oh, et le beau Devil Deal, va-t-il choisir? Oh là là, Guppy's Tail. Alors, est-ce que c'est son deuxième ou troisième objet de Guppy? On sait qu'il avait déjà le collier. Surprenant, pourquoi pas, Radical Edward qui va investir plus dans le vol que dans le dommage supplémentaire avec le cœur bleu de The Mark. Radical Edward donc qui vole, il a raison après tout, Lord of the Pit est aussi bon que Spirit of the Night pour lui, vu que Brimstone est spectral de base. Il va donc choisir le confort et la défense plutôt qu'un dommage en plus. Et voilà, et ses cœurs qui tombent avec ce left hand bien optimisé, il n'est pas encore Guppy. Il peut le devenir à n'importe quel moment. Oh, intéressant. Il peut sauter son Womb 1 s'il le désire. Je pense qu'il va prendre la décision de le faire. Ou pas. Ah, si. Et il va reprendre la tête de Krampus. Voilà, bien entendu, Radical Edward qui skip son Womb 1 et bascule directement au Womb 2 grâce à cette pelle trouvée dans la Super Secret. Ouais, son Common Cold a l'air de proquer à l'infini, bah tant mieux.
salle super secrète disponible ici pour Radical Edward s'il le veut. Aero Kanzaki avec The Tower, qui a eu Judas Shadow aussi entre temps. Mais qui devra d'abord passer par l'inconnu de Guppy Scholar avant de devenir Judas Shadow, j'imagine. Nous n'y sommes pas encore. Le Bumfriend trouvé par, par Aero Kanzaki, ce maudit mendiant qui vole votre argent pour vous donner des drops, des objets de temps à autre, qui a son utilité une fois arrivé à Womb 1 vu qu'il n'y a plus de coffre. Radical Edward qui fait popper énormément de coffres. Sur sa partie, il a eu Guppy Style, hein, c'est son deuxième objet, hein, c'est ce qu'il a eu tout à l'heure me semble-t-il. Donc les coffres vont apparaître par milliers, et il a le left hand, donc ils seront tous rouges. De quoi éventuellement en effet devenir un petit chat, encore un coffre, vous l'avez vu ici qui est apparu. Et Brimstone, voilà. Parfait, contre ses vaginas dans tonton. Va-t-il aller checker ses coffres? Oui, il va check tous ses coffres rouges. Des troll bombes ici, et là, encore une troll bombe, peu importe. Il a le temps de voir venir, il est full life Radical Edward à mon avis, plus aucun doute sur le fait qu'il va terminer cette partie. Et il arrive à Eclipse donc avec son Campus Rage qui va être lâché immédiatement pour voilà, annuler le spawn des yeux laser. Ah intéressant, là il a l'effet homing sur son Brimstone. Donc il peut vraiment jouer l'esquive de manière confortable alors que c'est une Blue Mom pour Aero Kanzaki. Et voilà, Radical Edward, on lui drop en plus un cœur bleu, il est toujours full life et basculé à la cathédrale. Aero Kanzaki, lui, cravache contre cette pénible Blue Mom qui invoque des ennemis plus puissants. Et oui, il n'a toujours pas de Guppy, donc le vol était utile en effet. En effet, Aero Kanzaki qui, quant à lui, ouais, doit contre vol également. Hélas, n'a pas les larmes spectrales. N'oublions pas qu'il a une résurrection potentielle en Judas Shadow. Mais ça serait intéressant voilà, de ne plus se faire toucher à, maintenant pour Aero et essayer d'avoir son Devil Deal. Laisser ses cœurs bleus hein, bien évidemment. Et peut-être voilà, prendre ces deux objets et tenter le suicide. Ça paraît assez logique. Non, pas de suicide. Pas de suicide avec, avec Judas Shadow derrière. Il a l'air d'hésiter. Oui, non, plutôt suicide en boss rush. Ah hélas, le boss rush n'est vraiment pas très glamour. Mais il va prendre le deck of cards. Car après tout, il n'avait aucun objet actif et sait-on jamais s'il proc une carte The Emperor. C'est toujours ça de prix, voilà, il récupère ses cœurs bleus. Il revient, devient donc, non, Judas Shadow, voilà, Judas Shadow intervient avant le Guppy Scholar, autant pour moi. Ça aurait été différent avec le Dead Cat. Radical Edward qui prend une touche ici, tandis que Aero Kanzaki, je n'avais pas avancé, bascule. Womb 1, avec son Judas Shadow donc. Ah, et cette fois-ci, Radical Edward a pensé à lâcher son left hand. Il claque son Campus Rage, se fait toucher. Il a hélas pas d'orbital, il claque là le pied de maman et c'est bon. Isaac étant à moitié de vie, lance les phases de téléportation. Et il y a assez de dommages pour que Radical Edward joue juste la sécurité. Et deal assez de dommages pour que Isaac se téléporte en boucle. Et Radical Edward, décidément, qui aime bien se prendre les traînées de larmes gratuites. Ça serait à éviter à l'avenir, tandis que c'est Mr. Fred pour Aero Kanzaki qui a maintenant des larmes énormes. Hein. Cette transformation en Judas Shadow a fait le taf. Matchbook Evil Up, il bascule directement à Womb 2 sans même prendre les bombes qui allaient spawner une fois cet objet pris. Le chest de Radical Edward avec l'arme pénétrante, c'est inutile. Mais Infestation 2 et Little Gish, c'est très très bien. Little Gish familier qui va rajouter du DPS et faire du dommage. Ah, je crois qu'il essaye de préserver le kill de Sloth en dernier pour bien entendu obtenir une carte éventuellement. Radical Edward qui tue Sloth et là ce n'est pas la carte, c'est Bob's Rotten Head. Les chaînes de Samson sont ignorées. N'oublions pas hein, qu'il a Guppy's Tail. Radical Edward, on va avoir moult coffres qui vont apparaître. The Hangman, non, toujours pas le pendu, c'est pas fou. Scapular est obtenu. Il a une carte Zyrmide pour l'instant, Aero Kanzaki, son jeu de cartes est rechargé, il va l'utiliser et il a eu un two, je crois que c'est un two of diamonds qu'il a eu. Rien de trop intéressant, Radical Edward qui se fait bourrer mais ce n'est pas grave, le dommage est là et il a sa blue map qui l'aide. Du coup il se dirige vers cette salle super secrète qui peut être théoriquement près du Blue Baby.
Hiro Kanzaki, quant à lui, entame toujours avec 4 cœurs son combat contre Itlis et se fait toucher là. Sissi balance une bombe qui ne touchera pas, elle a été décalée par ses propres larmes qui sont énormes. Et c'est bon pour Hiro Kanzaki, voilà, qui a la feuille mâchée, on l'aurait oublié. Qui devient invincible quand il ne bouge pas. Ah, Kelly, la Warp Zone The Kid. Je suis content, je l'ai refaite hier sur PS4 alors que j'avais pas joué depuis des mois et des mois. Et ça va, je suis mort deux fois. Je suis mort deux fois sur The Kid pour les trois stages. He's ok. Plutôt content. Et ça donne un trophée en argent, hein, ça déconne zéro. Oh là là, double adversaire pour Radical Edward. Heureusement, le DPS est là et le beat est bon. Et surtout, il a moult points de vie, ça devrait effectuer. Il se fait écraser ici, mais rien de trop grave. Ils sont alignés pour faire du double dommage. Et c'est bon. Il n'y aura qu'une touche contre ces doubles adversaires. Radical Edward est bien engagé pour gagner cette deuxième race. Et le voilà devant son boss. Il devra d'abord se débarrasser de ce double monstre 2. Je suis sûr de ne pas vouloir prendre l'argent des Russes avec World of Tanks. Oui, même s'il y avait plusieurs milliers d'euros à se faire. Qu'est-ce que vous voulez, hein? Peut-être qu'un jour je jetterai mes principes à la fenêtre. Parce qu'après tout, en avoir, j'ai l'impression que ça paye pas trop à tous les niveaux. Mais bon. Ainsi soit-il, pas d'OPSP World of Tanks. Allez, le Blue Baby déjà à 50% de vie. Et toutes ces araignées bleues, hein, qui ont popé au fur et à mesure que les petits sbires furent tués. Ça va être bon pour Radical Edward. Les deux joueurs étaient morts contre Isaac dans la cathédrale sur leur premier run. Mais Radical Edward termine en 41 minutes et 28 secondes. Bravo! Allô? Merci. Ah! Radical Edward, Hiro Kanzaki, c'est terminé. Radical Edward a pris la deuxième avec sa run Brimstone. Vous êtes tous les deux morts lors de votre première run contre Isaac. Et donc là, c'est allé plus vite pour Radical. Hiro Kanzaki, donc, avec une première run assez rigolote où il y a eu le reroll qui était un peu obligatoire vu que ce monstrueux lung n'évoluait pas. Mais là, ça n'est pas passé. Donc, nous, ils sommes 2-0. Voilà, Radical Edward qui obtient un joli canard. Et donc, est-ce que vous êtes chaud pour enchaîner? Est-ce que tout va bien? Mentalement solide. Ça fait deux semaines, je suis plus très chaud, moi. Deux semaines sans jouer. Mais quelle innocence. Bah, deux semaines, je supporte plus ce jeu. J'ai fait une grosse pause depuis le dernier match, j'ai pas joué, moi. Ah, d'accord, ok. L'overdose d'Isaac, compréhensible. Ah, c'est ça. Peut-être que ça reviendra. Ça revient par épisode. Peut-être que ça reviendra avec Afterbirth au pire. Eh bien écoute, Hiro Kanzaki, libre à toi quand même de laisser l'espoir vivre ou de tout lâcher dans un énième, dans un dernier rage quit du jeu. En tout cas, non, je vais quand même jouer pour la win. Ah, voilà. Faut pas déconner. Très bien. En tout cas, le prochain perso, c'est Eve. Je vous invite à vous installer dans votre salle avec cette dernière. Moi, j'arrive dans 20 secondes. Je vais chercher à boire. Ok. Oui, désolé messieurs, vous avez trouvé vos salles. Prêt. Ouais, je suis prêt. Vous êtes prêts, très bien. Eh bien écoutez messieurs, 3, 2, 1, paf. Allez-y. Bonne chance. Ils sont partis comme un aigle. Nous attendons évidemment le mouvement dans chaque salle. Eve donc, si particulière. Eve,
la run maudite du match précédent qui a duré 56 minutes, quasiment une heure. Ah merde, zut, j'ai oublié de proposer à Hiro Kanzaki la save du pognon. C'est terrible. Écoutez, ça ne devrait pas être problématique, sauf s'il la trouve IPK avec Magic Fingers. Auquel cas, bah, ça sera con en effet. Mais j'ai oublié, Blood of the Martyr. Alors est-ce qu'il va jouer? Non, il va reset Radical Edward. Avec Judas et Divin, Blood of the Martyr. Avec les autres, ça ne reste qu'un plus 1 dommage. Et ça, c'est une des erreurs que j'ai faites. Évidemment, il faut être très exigeant avec son starter. Figurez-vous. Donc Eve, un personnage si particulier qui commence avec War of Babylon qui s'active pour elle seulement à un cœur rouge ou moins. Et le Dead Bird donc, qui vous venge, qui s'active quand vous vous faites toucher. Eve qui, tant qu'elle n'est pas devenue War of Babylon, a un malus sur son multiplicateur de dégâts qui devient un bonus quand elle devient War of Babylon. Très important de le devenir au plus vite donc avec Eve. Et avec un peu de chance de stocker des cœurs bleus pour avoir son Devil Deal dès le basement de Magic Fingers dans l'item room de Radical Edward. Un objet peu saussant quand on n'a pas IPK, coup du dommage, en aucun cas un objet à avoir dès le début. Le PhD, toujours pas un starter pour Kwanzaki, on charge bien évidemment du dommage massif ou un modificateur de l'arme complètement craqué. La dague sacrificielle pour Hiro Kanzaki, certes un très bel objet, mais qui n'affecte pas les stats. Mais j'ai l'impression que Hiro Kanzaki est chaud de la dague. Et il a l'air de vouloir starter. Évidemment, hein, bien utiliser la dague, c'est divin. Il y a un rocher marqué pour lui, ça pourrait être intéressant s'il trouve une bombe. De récupérer un cœur bleu au plus vite et de se mettre en War of Babylon. Mais regardez, regardez comme c'est mignon. Ah, et voilà, il va sûrement rester près de sa bombe pour prendre le dommage. Ou pas, bizarrement. Alors, non, il va pour l'instant juste l'ouvrir. Et que fait-il? Il va aller se petit fider sur les flammes. Enfin, il va aller perdre son cœur. C'est pour ça qu'il aurait pu rester de la bombe, près de la bombe au final. Et il voulait peut-être être sûr que des cœurs bleus en tombent. Ce qui a du sens. Une clé obtenue ici. Et donc, c'est parti. Hiro Kanzaki va starter Dax Sacrificiel et va essayer ici de violenter son Steven. C'est chose faite, le petit CD solidarisé. Voilà, mais c'est un peu dangereux ce qu'il fait. Double touche ici contre le petit. Trois touches. Ah, ça joue les chauds, mais oh, attention. Mais, il y a quand même eu 3 touches contre ce boss. En tout cas, ça a été très rapide et c'est peut-être l'essentiel. Little Steven, donc le familier, qui balance des boulettes homing et droppé. Et il a eu la chance d'obtenir un cœur bleu également, droppé par le boss. Donc, tout va bien pour Hiro Kanzaki, qui certes n'a pas de dommage up, mais semble être extrêmement motivé pour jouer cette dague. Il y a encore un rocher marqué dans cette salle, mais hélas... Hélas, toujours pas de bombe pour Aero. Alors que Radical Edward peine à trouver son stuff et la bombe pour Hiro Kanzaki, qui va pouvoir bomber ce rocher marqué et qui obtient le jeu de cartes plutôt intéressant avec la carte The Emperor, qui sera la première carte obtenue dans ce jeu. Et c'est plutôt la grosse sauce, une carte qui va être sûrement conservée le plus longtemps possible. Le rocher marqué lui a donné bombe et cœur bleu. Tout va bien donc, le meilleur des mondes. Une clé obtenue ici, pas de quoi aller voir un magasin cependant. Hiro Kanzaki qui va devoir aller rechercher son boss Radical Edward, donc qui a starté Quad Shot. Vous le savez, Quad Shot, c'est potentiellement monstrueux, mais souvent décevant. Il faudra gagner en cadence de l'arme, en taille de l'arme, en dommage. Allez, paf! Radical Edward qui se prend un pin en pleine face, c'est bien entendu volontaire pour passer War of Babylon. Et elle va essayer de voilà, mettre un maximum toutes les larmes au corps à corps, c'est quand même très douloureux pour ce pauvre pin. Qui ne comprend pas ce qui lui arrive. La boîte ici, attention à ne pas récupérer un cœur rouge. Ah, et c'est fait. La pilule piffée, c'est speed up. Force, store credit. Le store credit vous permet d'acheter le premier objet de votre choix au magasin gratuitement. Pentagramme plus cœur bleu, objet de boss pour Hiro Kanzaki qui investit dans le bouquin de Belial et Abaddon. C'est monstrueux. Et j'ai l'impression qu'on n'est pas sorti. Et que Hiro Kanzaki, en tout cas, est extrêmement bien parti. Sa run manquait de dommages au début. Il a starté juste Dax Sacrificiel. Mais entre-temps, voilà Pentagram et Abaddon. Ainsi que le bouquin de Belial pour s'assurer le plus de dommages contre les boss. Et l'accès aux Devil Deals. Ça sent très très bon. Tandis que Radical Edward, ça y est, s'est débarrassé de son demi-cœur rouge en trop. Pris son cœur bleu et il a toujours, semble-t-il, le store credit en main pour acheter donc un objet de son choix gratuitement à son prochain magasin. Et
et à Okanzaki, donc dans les caves 1, qui se fait toucher ici, qui essaye hein, quand même d'optimiser, de gagner du temps avec sa dague sacrificielle. C'est la serviette hygiénique de maman pour Radical Edward dans son item room qui balance juste un effet de peur massif sur les ennemis de la salle. C'est pas ouf du tout. On lui préfère bien entendu le soutien-gorge à la limite qui paralyse. Mais ainsi soit-il, et en tout cas il a de la chance, ce n'est pas Yant, mais l'anecdotique Widow qui sera son boss, il va avoir accès à son Devil Deal. Enfin, espérons pour lui que ça en soit un. Nous y voici avec un pochon de pilules qui va être pris et sûrement testé. Il aime bien tester les pilules. Nous avons, c'est un Devil Deal sans dommage. Nous avons la boule de poils de Guppy et The Nail qui va être pris plutôt cohérent. The Nail à l'utilisation qui vous permet d'être Stompy, d'avoir un petit boost de dommage. Et surtout qui vous soigne d'un cœur bleu et des pilules assez négatives pour Radical Edward qui bascule cave 1. Tandis qu'Aero Kanzaki arrive à son item room, c'est Dead Sea Scrolls, des effets aléatoires d'objets utilisables avec ses parchemins qui sont évidemment ignorés pour garder le bouquin de Belial. War of Babylon et Judas, le meilleur des mondes finalement pour la run F de Okanzaki qui claque son bouquin de Belial et voilà. Le DPS est là, il faudra juste esquiver ces quelques flammes bleues. Et vu qu'il est absolument dépourvu de cœur rouge, Aero Kanzaki a une bonne chance d'avoir son Devil Deal en fin de combat. Il est là sur la gauche, la spatule en bois pour de la vitesse. Oh là là, couteau ou brimstone, TKT. Il va choisir de prendre le couteau, Aero Kanzaki. Alors ça c'est rare hein, de voir ça, choisissez votre poison. Très bien, et bien écoutez, en tout cas il part sur le knife plus que brimstone. Le knife potentiellement plus destructeur, moins, beaucoup moins pratique à utiliser cependant. Mais ainsi soit-il, ce qu'il lui faudrait maintenant c'est du dommage et surtout du vol à la limite. Et là son couteau ça serait absolument confort. Allez, c'est la Smart Fly, la mouche de revanche jaune qui sert également d'orbital trouvé par Aero Kanzaki. C'est son premier objet de Lord of the Flies. Il n'a pas d'objet de Guppy. En tout cas, il est bien Aero Kanzaki. S'il ne fait pas trop de bêtises en esquive avec son couteau, il peut aller très très loin. Alors oui, il aurait pu cumuler Knife et Brimstone, hein, ce qui est excessivement drôle. Oh là là, voilà, Radical Edward qui achète la ceinture de champion gratuitement grâce à son store credit au magasin. Et qui va récupérer du pognon et prendre la clé. Et bizarrement aussi, voilà, il va prendre son cœur bleu également. Dark Matter trouvé par Aero Kanzaki, son cœur rouge obtenu avec les cellules souches directement investies pour Dark Matter, donc qui lui donne le Fear Shot à 100% et un de dommage en plus. C'est très très bon pour Aero Kanzaki alors que un de ses potes joue à Batman Arkham Knight sur Steam. Et Radical Edward, lui, qui essaye d'optimiser son quad shot tout en évitant de se faire aspirer par Mega Fatty, ce sac à points de vie. Pourquoi n'a-t-il pas pris les deux? Eh bien écoutez, je ne sais pas, il voulait sûrement garder ses points de vie. Allez, Grid dans le magasin de Aero Kanzaki qui se fait toucher une fois, peu importe, pluie de pognon donc. A noter qu'il a Kane's Other High comme trinket et semble-t-il qu'il ait marché. On voit bien la salle d'objets présente sur la map de Aero Kanzaki, Kane's Other High, Kane's High plutôt, qui vous permet, quand vous arrivez à un étage, d'avoir l'effet de boussole pour tout l'étage. Petite chance de l'avoir. Et une impasse ici pour Aero, qui est cave 2 d'ailleurs. Salle d'objet pour... Radical. Donc salle d'objet pour Aero Kanzaki, c'est le D20. Ce sera ignoré, hein, bien évidemment. Il y a peu de choses qui feront lâcher le bouquin de Belial. Et un énième magasin pour Radical Edward avec l'excellent Dare's Option. J'espère que cette fois-ci, il aura la lucidité de le prendre. Et là, s'il a bombé à côté de la machine de don, mais heureusement, le marchand avait une pièce sur lui. Et il achète donc Dare's Options. Radical Edward aura maintenant le choix entre deux objets quand il tartinera un boss. Et c'est plutôt de bon augure quand on est seulement cave 2. Et c'est parti, bouquin de Belial utilisé. Un rocher marqué snipé par Aero Kanzaki qui contient juste une bombe hélas. Et il est contre Guiche et Guiche ne va pas du tout kiffer ce couteau, bien entendu. Little Guiche obtenu, Devil Deal ouvert car il a le bouquin de Belial, c'est automatique, c'est Krampus. Et nous verrons. Il espère le Lump of Coal, bien entendu, même si ça ne sert à rien, je crois. La dernière fois, en tout cas, c'était ignoré par un joueur qui avait le knife.
La tête de Krampus aura laissé le bouquin de Bédal conservé direction Debs 2, alors que Radical Edward lui se débarrasse de son boss de cave 2 qui est Chad, qui donnera forcément Little Chad. C'est beaucoup moins glamour que Little Gish. Little Chad qui vous donne un demi-cœur rouge. Toutes les deux salles nettoyées. Mais il a le choix. Il va choisir de prendre la latchkey. Donc un point de chance en plus, un cœur bleu, deux clés lâchées, le pentagramme est acheté et c'est assez rigolo. Hein. Il y avait le Dark Bum dans le Devil Deal qui aurait fait la synergie idéale avec Little Chad. Mais après tout, peu importe, Radical Edward a pas mal de vie et surtout The Nail pour se soigner un cœur bleu toutes les 6 salles. En plus de ceux qu'il trouvera éventuellement. Ça sert à avoir un Black Knife, le swag, c'est important, il est vrai. Radical Edward devant sa salle d'objets alors que... Ah là 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 là, alors ça les petits amis. Voilà, Aero Kanzaki qui lâche son bouquin de Belial pour Unicorn Stump. Unicorn Stump utilisable à chaque salle. Unicorn Stump, oh là là, avec le stopwatch. C'est parti, c'est une boucherie. Allez, il va quand même essayer, ouais, il va quand même acheter son cœur bleu. Unicorn Stump, donc, qui va permettre d'être invincible à chaque fois. Et il bourre sa machine de dons. Il va vraiment falloir que je lui dise, là, s'il gagne, parce que c'est ridicule. Mais oui, Unicorn Stump qui lui permet d'être invincible. Et d'ailleurs, c'est surprenant de ne pas le voir l'insta utilisé. Unicorn Stump qui utilisé à chaque fois lui permet d'être invincible sans faire de dégâts. Mais sa dague sacrificielle et son couteau seront toujours actifs. Je ne comprends pas pourquoi il ne le bourre pas à chaque fois. Voilà, ça y est, il l'utilise. Et c'est une boucherie, forcément il va essayer d'attirer, de faire sortir tout ce qui est sortable. Et attention, l'effet se termine maintenant, il va terminer régulièrement. Mais il peut l'utiliser en entrant dans chaque salle, hein, quasiment. Guppy's Head, la tête de bouc pour les Devil Deal automatiques. Il n'a plus hein, maintenant qu'il a acheté son bouquin de Bédial, mais d'un autre. Oh, The Mind, bien entendu, acheté par Aero Kanzaki. Le mapping sera intégral à partir de maintenant. Il utilise sa carte The Emperor et se téléporte directement à Womb 1. C'est confort. Petite musique du Schnapps, c'est ça. Oh là là, ben oui, forcément avec The Mind, Aero Kanzaki qui trouve son boss de Womb 1 extrêmement vite, c'est Conquest qui va, voilà, avec le Unicorn Stump, se faire one-shot sans l'ombre d'un danger de Unicorn Stump et conserver le poney ignoré. Et c'est déjà Womb 2 pour Aero Kanzaki avec la malédiction de l'inconnu. Aero Kanzaki n'a pas le visuel sur ses points de vie, c'est pas trop grave. Et voilà, regardez, Unicorn Stump, c'est gratuit. Voilà, claque-le à chaque fois, bien entendu. Paf, la pastèque. Is ok, les Gurglings, voilà, on bourre, le couteau est dressé vers le haut, il ne reste plus qu'à bourrer de manière habile. Allez, voilà, paf, paf, la pastèque, boum. Ah, ça fait plaisir. Alors que Radical Edward se fait un petit peu mouvementé, bourré par le masque de l'infamie ainsi que le cœur. Allez, Aero Kanzaki qui gère un peu moins bien le début de Hitlist, mais de toute façon, ça va être une boucherie. Il y a la stopwatch, en plus, c'est la gratuité. Et il bascule très vite. Cathédrale, elle va être rapide, hein, cette run d'Aero. Avec Brimstone, ça n'aurait pas marché, très juste. Il ne Unicorn Stump pas systématiquement, c'est son choix. Le book, l'anarchiste cookbook va être ignoré. Radical Edward, j'ai pas su où il est, il en est, il doit être, oui, il est dépassé Debs 2 depuis. Et il vient d'obtenir la Curved Horn qui lui donne plus de dommages, excellent trinket. Mais sûrement trop peu, trop tard. Ah, une salle remplie d'envy, plutôt anxiogène pour Aero Kanzaki. La bonne nouvelle, bien sûr, c'est qu'il a, la stopwatch, donc ça rend le tout très simple. À naviguer, il a claqué une charge de Polaroid, mais peu importe, ça y est, Unicorn Stump utilisé, on tend le couteau vers le bas, et c'est un Isaac qui a eu très très mal. Les Joséphine Ange Gardien ont pété juste avant la fin du Unicorn Stump, c'est moins cher que gratuit, c'est ridicule. Isaac est défoncé, et en dessous des 15 minutes, Aero Kanzaki bascule chest. Et
Allez, le chest avec Best Bud. Il en est où? Ça serait son deuxième objet mouche seulement. Non, ça ne transforme pas en Lord of the Flies. Voilà, Unicorn Stump de claquer. C'est une boucherie, bien entendu, le lard ignoré. Encore une fois, Unicorn Stump. Voilà, mais voilà pourquoi faut l'utiliser direct. Il y a zéro embrouille, quoi. Super grid dans... Mais pourquoi? Ah oui, d'accord, ils veulent passer directement. Et voilà, bah c'est plus simple comme ça, hein, finalement. Petite carte à jouer, peut-être, à check. Un joker pour le fun, si soit-il. Unicorn Stump de claquer juste avant la touche. Two of Hearts, c'est inutile pour Aero. Ah là là, attention, ouais, Carrion Queen, c'est normalement l'enfer. Mais là, encore une fois, il va pouvoir optimiser son stuff. Et voilà, on aura juste à mettre un coup de couteau pour les finir. Elles sont en plus ralenties avec la stopwatch. Aero Kanzaki qui va gagner d'une seconde à l'autre. Oui, Lord of the Flies qui en plus de vous faire voler change le comportement des mouches. Elles sont toutes vos amies. Toutes les mouches qui apparaissent deviennent des mouches bleues. Allez, c'est parti, Unicorn Stump, et regardez-moi, c'est un massacre, le Blue Baby, en plus, qui, lui, ne se téléportera pas et qui va décéder. C'est beau, un monde qui joue. 16 minutes 23 pour Aero Kanzaki. C'est terminé, messieurs. Ouais. Bah, ok. Oui, bravo à Aero, avec une run absolument folle. Starter un starter émergent avec la dague de sacrifice. Ensuite quelques dommages up, puis le choix entre Knife et Brimstone. Et le choix du Knife qui a payé vu que le Unicorn Stump sera trouvé plus tard. De quoi transformer le tout en une belle boucherie. 16 minutes 23, très beau temps. Et donc Aero Kanzaki qui revient à 2-1. C'est pas fini madame. Ainsi soit-il, très bien. Je vous invite à vous positionner. Sauf si vous voulez marquer une mini-pause. Alors oui, Aero Kanzaki, si jamais tu veux prendre le temps de remettre une sauvegarde 999 pièces, tu peux le faire, parce que t'as le droit. Je te voyais mettre des pièces dans ta machine de dons. Donc si jamais tu veux, ok. Allô? Allô? Moi je t'entends. Ah oui, non, j'ai oublié d'appuyer sur le button. Ah oui, d'accord. Non, j'ai envie de faire les 1000 kills de maman avant d'arrêter le jeu, donc... Ça m'arrange. D'accord, ok. Très bien. On va essayer IPK avec Magic Fingers. Faudra gérer son pognon différemment. Très bien, ainsi soit-il. Donc, Aero Kanzaki qui reste cette sauvegarde. Je vous invite à vous placer donc avec Maggie pour la prochaine run. Et moi, je prépare le tracker d'objets. C'est bon, je suis prêt. Ok, c'est bon pour Aero. Radical reset encore, semble-t-il. Prodi, les deux persos bannis sont le Blue Baby et Sanson. Et Radical qui c'est bon. Voilà, qui était perdu dans la vague de reset. Très bien, donc c'est bon pour vous deux. Pas de pause pipi, rien ouais. Du tout. C'est, oh, bon. C'est bon pour moi. Ok, et bien ma foi, allons-y. Alors 3, 2, 1, paf, go. Bonne chance. Allez, on attend le mouvement de foule. Et nous lancerons le timer. Partie décisive encore. Radical Edward, s'il gagne, termine le match. On passe donc sur Maggie. Maggie qui traîne son petit boule. Infestation 2 a trouvé, excellent objet, mais pas un starter. Maggie donc avec des stats assez faibles, extrêmement lente, mais le plus de cœur rouge de tout le roster. De quoi investir dans moult Devil Deal, bien sûr. Encore faut-il les trouver. Et encore doivent-ils être sympathiques. Nous verrons la suite des événements. Et pas de starter trouvé pour l'instant. Et heureusement qu'on n'a pas d'émission derrière. Car ça déborde. Je vous rappelle qu'à partir de mercredi prochain à 19h, vous retrouverez Isangwen pour son deuxième stream de la semaine avec Dark Hour. Dark Hour qui aura donc lieu
les lundis à partir de 21h et le mercredi à partir de 19h. Alors que Radical Edward retrouve Proptosis relativement vite, en moins d'une minute. C'est donc parti pour lui. Proptosis, un des meilleurs starters de l'univers. J'apprécie beaucoup cet objet. Allez, c'est parti donc sur un basement. En plus, c'est confort. Pas de rocher marqué, hélas, pour essayer de sniper des cœurs bleus avant la descente. Mais il trouve déjà son boss. Un boss qui devrait être assez simple. En l'occurrence, ça sera double Larry Junior verdâtre. Donc, il crash-shot des boules magiques de temps en temps. Et bien géré au corps à corps ici pour optimiser les DPS du Proptosis. Des dégâts pris, ça n'a pas grande importance. Hélas, pas de tears up ou de dommages up. C'est un énième HP up, le cinquième point de vie pour la magie de Radical Edward avec ce dîner. Ah, enfin, Aero Kanze qui trouve un starter, en l'occurrence Cricket's Body, avec donc ses larmes qui vont se séparer en 4 pour une explosion de DPS. Ça peut devenir potentiellement monstrueux, bien évidemment, avec des grosses larmes, avec des larmes pénétrantes, etc., etc. Ah oui, elle est sortie, la bande-annonce de World of Tanks, d'accord. Ah, Radical Edward qui bombe son rocher marqué. Hélas, entre guillemets, pas de cœur bleu. Donc attention, il va falloir être vigilant pour Radical. Toujours éviter de se faire toucher, il est dans un cellier. C'est toujours plus pénible, ces maudites araignées que tout le monde déteste. Il a des clés cependant, on va voir quel sera l'objet de Radical Edward dans son item room. Tandis que Aero Kanzaki, avec son Optimus, son caca pétrifié, pour farmer un petit peu de pognon et de ressources. Il a un cœur bleu déjà. Aero Kanzaki, même s'il se fait toucher ici par cette Widow rose en essayant d'accélérer le rythme et en passant en dessous quand elle saute, c'est beau. Allez, voilà qui est fait. Elle pète Radical Edward en parlant de pète à la mouche bleue, la mouche qui pète, téléguidée, la mouche téléguidée, super pansement, un meilleur HP up pour Aero Kanzaki en objet de boss. Le super pansement qui donne un cœur rouge et deux cœurs bleus. Il est excessivement bien protégé maintenant pour son basement 2. Lui, il n'aura pas de cellier, c'est plus confortable. Radical Edward qui visiblement ne s'est pas encore fait toucher sur ce cellier 2. Ça serait bien que ça continue d'être le cas. Ah non, il y a dû avoir accident. Il y a dû avoir touche, madame. Pas de Devil Deal pour Radical Edward. Et ça, ça pue un peu. Et Aero Kanzaki qui a refusé cette fois-ci les larmes blindées. Option défensive excellente, mais qui nerf totalement votre... votre offensive game, sauf si vous avez des larmes pénétrantes. Et donc il se dirige directement vers son boss Radical Edward qui hésite, qui je ne sais pas ce qui est, je ne sais pas pourquoi il hésite autant, je ne sais pas ce qu'il cherche à faire. Peut-être acheter un cœur bleu pour s'assurer au moins le Devil Deal ou la God Room par la suite. Mais hélas, après tout ce temps perdu, où il hésite encore, il va aller prendre son pognon, voilà. Après tout, pourquoi pas. Oh, et en plus, se fait dropper un cœur rouge. Alors je sais pas ce qu'il a comme objet de... peut-être le vieux pansement qui fait ça, je n'ai pas fait gaffe. Quoi qu'il en soit, c'est bon. Il a un cœur bleu pour essayer d'obtenir sa sale post-boss Radical Edward. Alors que Aero Kanzaki va tenter le traitement expérimental et semble-t-il a gagné en dommages. Il a 3 barres de dommages. Donc incroyable mais vrai, traitement expérimental bénéfique pour Aero Kanzaki qui va snober son Devil Deal. On lui proposait juste Brother Bobby. Et donc les deux arrivent aux caves en même temps, cave et catacombe. Avec cette maudite Magdalene, attention à cette run, ces runs donc qui sont propices au drame. Pourquoi vous me direz? Bien, tout simplement parce qu'on ne sait pas s'il va y avoir des Devil Deal dans ces deux runs. Aero Kanzaki a snobé son Devil Deal, Radical Edward ne l'a pas obtenu. Aero Kanzaki qui a snobé hein, les larmes anti-gravité dans son item room. Qui vous donne un gros tears up en gros entre guillemets. Annule le délai de l'arme mais qui vous oblige si vous les tirez régulièrement à bourrer la touche de tir. Sinon elle, vous le savez, si vous laissez appuyer, les larmes stagnent en l'air avant de partir quand vous relâchez. Et Rage Reset oui de Radical Edward. Pourtant Proptosis, hein, il aurait peut-être pu pousser un peu avec Proptosis, mais il décide de reset.
Hiro Kanzaki qui a eu son dommage-up grâce à ce traitement expérimental heureux. Je pense que s'il avait été malheureux, c'était le reset, donc il avait raison de gamble dessus. L'objet, le nouveau starter de Radical Edward, pas encore trouvé. Et Pestilence, donc, qui est en train de se faire violenter par Hiro Kanzaki. Il va donc obtenir un Orbital, il le coince bien contre le mur, là. C'est en plus un Pestilence assez inoffensif, celui qui balance des larmes de lenteur. Cube de viande et pas de Devil Deal. Il bascule cave 2 avec un stuff certes précaire. Il a tout de même un Orbital maintenant qui peut justement faire tenir ce stuff précaire contre les boss encore un moment. Et contre les ennemis s'il sait bien optimiser ses orbitaux. Et toujours pas de starter pour Radical. Hiro Kanzaki, lui aussi, qui a eu son dommage-up, mais ça va commencer à se voir au fur et à mesure que c'est galère. La malédiction de Maggie, ouais, les Devil Deal, Dag Sacrificiel, je sais pas s'il va starter. J'ai l'impression que Radical Edward, lui aussi, est en train de devenir émergent et se lance dans une run. Dag Sacrificiel, non, il reset. Il a sa clé, est-ce que Hiro Kanzaki va enfin avoir un objet correct? Oui et non, Aries, le signe du bélier qui vous donne un petit peu de speed up et qui vous permet également de bourrer les ennemis à pleine vitesse pour leur infliger du dommage. C'est pas fou. Hiro Kanzaki qui se retrouve devant son magasin, il peut y aller, il a 9 pièces et 3 bombes, pourquoi pas. Il y a toujours son caca pétrifié également qui lui permet de farmer des ressources dans les cacas divers et variés. C'était là ce grid. Ah, grid, un grid très bien optimisé avec le cube de viande, moult pognon et une clé de bon augure pour la suite. Et il ne va même pas prendre tout son pognon, il va juste prendre de quoi avoir 16 pièces. Et Mathémésis, et là, c'était l'effet de la pilule. Il est retombé un cœur et un seul était droppé. Et une salle plutôt anxiogène. Avec les vaginas dont on radical les doigts qui a battu son boss, j'ai rien vu. Est-ce que l'effet, l'objet qu'il a pris... Ah mais d'accord. Non. D'accord, il a starté Knife, c'est pour ça qu'on n'a rien vu. Et il a un gros rouge à lèvres, donc il a eu le rouge à lèvres de maman, visiblement. Ah oui, en effet, Segore, starter Knife, hein, donc pour Radical Edward. Qui a sa clé. Attention, cependant, il faudra qu'il ne se fasse pas toucher encore. Stigmata avec un HP up, donc, et un petit dommage up. Hey, problems IRL. How's it going? Now, people were talking about that they saw each other when you were streaming your 11 characters world record. Donc, on y est. Ah oui, problems IRL que je dois recontacter d'ailleurs. Tant de choses à faire. Très bien. Toujours pas de touche pour Radical Edward. Toujours sur ses cœurs rouges. Et allez, Radical Edward, pourquoi pas? Qui va bomber les vases? Il y a du pognon. Et Hiro Kanzaki contre The Fallen qui prend quelques touches mais qui essaye hein, bien sûr d'accélérer le combat avec son cube de viande. Goathead trouvé par sera l'objet de The Fallen avec The Soul trouvé. Alors certes dans une God Room c'est plutôt l'angoisse. Mais il retouchera peut-être un Devil Deal un jour, l'ami Hiro Kanzaki. Ce qui est sûr maintenant c'est qu'il aura l'intégralité de ses sales post-boss. Et il obtient un des objets les plus intéressants entre guillemets, hors Godhead, Olimental, Sacred Heart, de la pool God Room The Soul. Donc qui va lui donner une armure naturelle qui repousse les projectiles. Et en plus deux cœurs bleus. Défensivement c'est solide pour Hiro Kanzaki. C'est le dommage hein, bien sûr qu'il commence à pêcher. Ce qui ne va pas être le problème de... Oh là là, de Radical Edward qui... Oh là 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 là, mon dieu, pentagramme, plus un dommage, cérémonial robe, plus un dommage, plus trois cœurs noirs, magic mushroom, plus dommage, plus all stats up, plus multiplicateur de dommages et balls of steels en pilule. Une boucherie qui vient de se dérouler en moins de 10 secondes sur la run de Radical Edward, qui à mon avis, du coup, malgré l'avance non négligeable de Hiro Kanzaki, est bien parti pour remonter très vite. C'est très très sale en effet. C'est beau. C'est beau un monde qui joue. Et Radical Edward donc il se retrouve tout d'un coup avec un couteau surpuissant et ma foi 11 cœurs.
le confort est absolu. Alors que on a un flatworm qui a été récupéré du côté d'Aerokanzaki. Vous le voyez, ses larmes gagnent en hauteur, en diamètre. Aucun des deux joueurs n'ont du mapping. C'est peut-être ce qui manque. On voit Radical Edward ici bomber des champignons. Il espérait sûrement Liberty Cap qui n'est pas tombé. Il a pourtant une bonne chance de tomber, ce Liberty Cap. Radical Edward près de sa item room. Attention, deuxième God Room pour Aerokanzaki. Eh là, c'est pas de Godhead, pas de Sacred Heart. C'est juste 3 cœurs bleus. Encore de la défense. Trop de défense peut-être. Radical Edward qui s'est fait troller en se faisant téléporter à cause de son Curse of the Maze. Qui a dû refaire cette salle immense pour atteindre son item room. Item room qui enfermait le... je vais y arriver, le phare à paupières de maman qui procure un effet de charme sur les larmes générées par la chance. Ah, les nombres animaux, bien sûr. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce rap des enfers? Non mais arrêtez, au bout d'un moment, ça va commencer à se voir. Très bien. Little Chad récupéré par Radical Edward, peu importe. Little Chad qui droppera donc un demi-cœur rouge, toutes les deux salles nettoyées. Il ne sera vraiment utile que s'il continue à être sur une run cœur rouge ou s'il obtient Dark Bomb. Radical Edward donc toujours avec deux étages de retard, mais avec un avantage excessif en termes de dommages sur la run d'Aerokanzaki. Aerokanzaki qui va bourrer les crânes, évidemment qu'il a envie d'avoir une carte de TP, le Two of Clubs pour récupérer deux bombes, le Joker pour se téléporter dans sa carte de Joker. Excellente nouvelle pour le post-combat, pour la TP out du Devil Deal. Surprenant de ne pas avoir pris de pas avoir utilisé immédiatement le Two of Clubs, cependant qu'il lui aurait donné deux bombes. Salle un peu trollesque là, surtout que c'est un cul-de-sac. Ah ouais, non, c'est douloureux. Douloureux pour Aerokanzaki. Qui certes bénéficie cependant d'un mid-boy niveau 2, ça c'est plutôt cool. Voilà, et qui perd l'intégralité de ses cœurs bleus, saloperie. N'oublions pas hein, cependant que Aerokanzaki a le Goathead. Radical Edward lui qui se perd un petit peu dans ses caves, mais qui a trouvé le Liberty Cap. Libre à lui de farmer son mapping s'il le désire pour la suite. Speed down est hélas la pilule utilisée par Aerokanzaki. Qui allait voir son Joker entre temps? Non, il ne semble pas. En tout cas, il a repris sa carte The Moon. Allez. Quelques mouches à tuer pour Aerokanzaki. The Devil, carte trouvée par récupérée par Radical Edward qui se fait toucher ici contre les Stalkers. Peu importe le boss, c'est Mega Fatty. Mega Fatty, sac à point de vie, mais Mega Fatty qui ne va pas du tout kiffer ce couteau surboosté. Un énième HP up. Pour l'instant, il n'est pas pris. Ce ne sont que des coffres rouges, double pilule, à Balls of Steel x2. Et oui, il avait déjà utilisé ses pilules. Bah non, si tu prends ton The Devil, non. Il va prendre son Balls of Steel et prendre son HP up. Radical Edward qui bascule Depth Swan. Et qui a un stuff monstrueux et qui est quasi imbutable. Full life avec Balls of Steel en main pour la suite. Aerokanzaki qui a pressé et là se fait toucher. Et va prendre le Starter Dex qui va lui donner la possibilité de cumuler deux cartes. Il lui en donnait une, en l'occurrence le Two of Spades, qu'il fait passer de 2 à 4 clés. Guppy's Head, trouvé dans la salle d'objets par Radical Edward. On lui propose l'orteil chanceux, qui lui ferait gagner de la chance, mais il garde son Liberty Cap, bien entendu. Son Liberty Cap qui le rend énorme, là c'est ridicule quand vous avez le double effet Magic Mushroom, le personnage est énorme. Le caca doré qui fait tomber du pognon. Et Aerokanzaki toujours à la recherche de Mom's Foot. La voici, une fois qu'il sera débarrassé de ses Gurglings. Allez, nous y voici. Aerokanzaki va affronter son Mom, sa Mom. C'est une Blue Mom, hélas, avec des ennemis terribles. Avec son Mid Boy niveau 2, il a de quoi faire un DPS monstrueux. Il aurait préféré une Red Mom, je pense. Mais voilà, il se place bien. Regardez le DPS qu'a occasionné le cube de viande, enfin en l'occurrence plutôt la boule de viande maintenant.
Tandis que Radical Edward va récupérer moult pognon avec ses holos dorés et va pouvoir passer à son boss, à CSI Adversary. Ça serait normalement très angoissant, mais pas avec ce stuff. The Adversary se fait ouvrir et c'est du dommage up encore avec le Saint-Oil, pas de Devil Deal. Il bascule et rejoint Aero Kanzaki, Debs 2 Aero Kanzaki qui peine encore. Dommage, mauvaise synchronisation du cube de viande. Qui peine à se débarrasser de sa mom. Voilà qui est fait. Le Devil Deal avec... Oh là là, mais c'est beau, The Pact. Et la dague sacrificielle ne sera pas prise. Ensuite, c'est vrai qu'il a... comment dire... Qu'il a le cube de viande. Mais du coup, il aurait été intéressant également de basculer à plus de cœur rouge. Mais en tout cas pour l'instant voilà, il va se contenter de son cube de viande. Il a pris l'excellent chocolate milk hein, bien sûr dans ses cœurs bleus vont peut-être faire en sorte qu'il gaspille, enfin qu'il envoie tous ses cœurs bleus au Devil Deal. On va voir le chocolate milk donc qui va lui permettre de moduler ses tirs, de gonfler ses larmes pour en avoir des monstrueuses ou de temporiser pour en avoir des plus petites selon les situations. Et la carte Joker récupérée bien entendu. C'est peut-être pour ça qu'il n'investit pas tous ses cœurs rouges dans l'espoir d'avoir un Devil Deal puissant à la cathédrale ou au Womb One tout simplement. Radical Edward qui peut aller check son item room s'il le désire. Que fait-il? Non, il annule cette décision. Peut-être plus intéressé par le magasin qui est ici. Et ma foi, pourquoi pas avec 24 pièces. Oh, mais oui, il avait les soldes Steam. Black Candle, il n'y aura plus de malédiction. Il gagne un cœur noir, PhD. Toutes les pilules sont maintenant positives. Pilule d'énergie ici, 48 heures d'énergie. De quoi se blinder en mouche. Il y a une autre pilule qui est disponible dans le magasin qui va sûrement être achetée. C'est une pilule de vitesse excellente pour Maggie. La clé est achetée, il aurait pu acheter la bombe. Et on peut acheter tout au final. Et il se rend contre sa maman. Et sa maman va se faire one-shot par le couteau, bien évidemment, madame. Le Devil Deal. Oh mon dieu, c'est horrible. Oui, il faut tout prendre, bien sûr. Brimstone et Death Touch. Attention, plus de dommages grâce à Death Touch. Et il n'ira pas voir le Devil Deal. Radical Edward, maintenant, qui a un couteau Brimstone. Une fois que son couteau est lancé, eh bien, il y a une vague de couteaux qui se lance de son couteau pour du DPS supplémentaire. Et le Death Touch qui l'a boosté en dommage, ça va être une boucherie absolue. Radical Edward qui farm son mapping. Alors que Aero Kanzaki se fait troller par ce monstre qui ne veut pas se montrer. Et du coup il va bomber parce qu'il en a franchement marre et on comprend. Radical Edward qui a rattrapé Aero Kanzaki qui est sur le même étage. Et ça sent la win hein. Tellement Aero Kanzaki est sur une run de la débrouille, quoique ce chocolate milk l'a quand même pas mal aidé. Quelle est la carte droppée par Sloth et The Stars pour une téléportation aléatoire, vu qu'il n'y a plus de salle d'objets. Et elle a été utilisée immédiatement par Radical Edward. Et voilà, on voit le couteau Brimstone qui aide pas mal sur ce genre de salle où il y a plein de petits ennemis disposés ici et là. Wheel of Fortune, carte trouvée par Aero Kanzaki, c'est pas fou. Pilule Health Up trouvée par Radical Edward qui évidemment ne va pas l'investir. Sauf si le Devil Deal, le dernier Devil Deal potentiel à venir, le demande. Allez, Cards of Stars reprise par Aero Kanzaki qui affronte son boss de Womb One. C'est un double Loki, un Loki scindé en deux. C'est quel item qui permet ça avec le couteau? C'est Brimstone. Allez, le gros caca ici qui a pété, Aero Kanzaki qui module bien son chocolate milk, qui va se débarrasser assez sereinement finalement de Loki. On voit cette petite sangsue qui se balade et qui fait pas trop son taf. Le jus de Jésus, du damage up et du range, un cœur bleu, hélas, pas de vrai Devil Deal. Oh, une petite tête de Guppy, moult cartes, Two of Hearts, c'est intéressant, The Stars il l'avait déjà. Guppy's Head bien évidemment pris à la place du Yum Heart pour du dommage supplémentaire. C'est le premier objet de Guppy, hein, cependant, de Aero Kanzaki, hein, qui avait pris le pacte d'Eps 2 également dans son Devil Deal. Et finalement, son build est plutôt bon. Et avec le mapping, je pense qu'il pourrait s'en sortir. Et c'est Radical Edward qui a le mapping. Alors, certes, le mapping dégueulasse où il faut farmer à l'infini avec son champignon. Mais regardez, Radical Edward, hein, c'est maintenant clair et net, gagne du temps. Il est maintenant contre Conquest. Conquest qui se fait défoncer. Et Radical Edward va prendre le vol avec le poney. Il hésite et il le prend et s'en va.
pas de dernier Devil Deal. Les deux joueurs qui pour l'instant n'activent pas le Polaroid quand ils se font toucher. Radical Edward qui va tenter le gamble avec cette salle spéciale. 3 trinkets proposés, il ne lâchera pas bien sûr son Liberty Cap. Il n'a pas farmé son mapping également, ne serait-ce pas une bonne idée. Si, ça y est, Radical Edward qui se met à faire des allers-retours frénétiques entre deux salles vides pour avoir l'effet de la boussole. Ah, on l'a vu, le boss est très très loin au sud. C'est parti, il va quand même piffer les coffres dorés. Évidemment, peut-être à la recherche d'un cricket set, ce qui est presque overkill, mais pourquoi pas. Voilà, touche ici, attention Radical, hein, qui se fait quand même pas mal toucher depuis tout à l'heure. Il a laissé pas mal de cœur, bien entendu, quand il a investi dans Brimstone et quoi d'autre déjà. C'était une boucherie, Brimstone et je ne sais plus quoi. Brimstone et les robes cérémoniales, c'est ça. Il a laissé 4 cœurs rouges. Il en a quand même récupéré 3 noirs. Allez, c'est bon, salle de boss, Hit Leaves, Aero Kanzaki, lui est devant salle de boss. Oh, regardez ça, regardez cette boucherie, très très bien négociée par Radical Edward, qui ne laisse même pas le temps aux yeux laser d'exister. Et il défonce donc Hit Leaves et bascule à la cathédrale, tandis que Aero Kanzaki, lui, commence son combat. C'est la première fois que Radical Edward passe devant, après son décès, après son Rage Reset plutôt. Et Death Touch, oui c'est ça, Death Touch, bien entendu. C'était Brim et Death Touch, Ceremonial Robe ne coûte qu'un. Donc oui, tout va bien pour Radical Edward. À l'Aero Kanzaki, ça se passe bien également. En plus, regardez, il y a The Soul qui dévie les balles. Mais ça restera plus pénible. Oh là là, et la lenteur de Maggie qui fait qu'il prend deux touches. Hélas, deux cœurs bleus qui partent contre ce Hit Leaves. Aero Kanzaki qui passe à la cathédrale. Radical Edward est en marche, je ne crois pas qu'il ait pris le temps de prendre son mapping, il a foncé me semble-t-il. Ah là là, et pas de chance pour Aero Kanzaki qui claque son joker à la cathédrale. Hélas, il ne pourra pas se débarrasser de ses cœurs rouges et espérer un Abaddon ou autre. Ça sera bien Krampus. La bonne nouvelle entre guillemets, c'est que c'est Lump of Coal qui du coup va affecter toutes ses larmes. Lump of Coal, donc les larmes vont être plus puissantes selon la distance parcourue. Avec Chocolate Milk et Splash Damage, c'est quand même pas mal intéressant. Le DPS de Aero Kanzaki est monstrueux également. Le problème, c'est que Radical Edward a trouvé son Isaac et est déjà en train de le tartiner. Voilà. Même s'il n'a pas la range, Radical Edward fait quand même un peu de dommage à Isaac grâce à son couteau brim. Et Radical Edward qui sont encore touchés par les vagues de l'arme de Isaac, mais c'est bon. Isaac tombe direction le chest pour Radical Edward. Mais attention, Aero Kanzaki sans mapping a trouvé excessivement vite sa salle d'Isaac également. Reste plus qu'à se débarrasser du Headless Horseman et ça sera bon. Le chest de Radical Edward est nul. Et voilà, il va prendre Nicoli pour l'histoire. Mais il faut se mettre en mouvement, il n'y aura pas d'aide de ce chest. Et déjà une première touche contre les triple Loki. Attention, Radical Edward. Aero Kanzaki lui start Isaac et balance direct. Ça, oh là là, oui, c'était un peu courageux de se mettre au milieu de la salle alors qu'il a The Soul et qu'il pourrait rester au fond de la salle. Aero Kanzaki qui se fait toucher direct, mais Isaac bientôt à 50% de vie, prêt à se téléporter. Mais encore une touche, Aero Kanzaki qui se refait toucher encore. Attention, il joue beaucoup trop risqué. Plus que deux cœurs rouges, il a le droit de se faire toucher qu'une seule fois encore. Aero Kanzaki qui se planque bien ici, Radical Edward quant à lui se retrouve dans une impasse. Je ne sais pas s'il a farmé le mapping, il récupère un cœur bleu cependant. Et à passer KKO, Aero Kanzaki lui, on voit la sangsue qui l'aide un petit peu avec un peu de DPS. Ah, double super sloth pour Radical Edward, va-t-il avoir une carte? Non, c'est Bob's Curse avec les bombes empoisonnées, 5 bombes récupérées donc. Double adversary, c'est dégueulasse. Et voilà, une première touche, il n'y a pas le Polaroid, attention, hein, ça peut aller très vite contre les doubles adversaires. Heureusement que le DPS de Radical Edward est ridicule. Aero Kanzaki bascule quant à lui au chest. Et il y a un chest assez peu excitant également. Virus, D-Bomb, Ghost Baby et Charm of the Vampire. C'est pas ouf du tout. Et surtout pas de HP up, pas de gros dommages up. Et ça sera donc au meilleur des deux. Radical Edward, attention, hein, qui s'est fait toucher encore. Il a une carte The Lovers en main, cependant, qui droppera deux cœurs rouges. C'est-à-dire que sur le dernier hit, au moment où le Polaroid s'activera, il pourra se remettre deux cœurs rouges et ça sent plutôt bon. Et tant mieux d'ailleurs que Radical Edward soit sur le point de gagner, car il est temps pour moi d'arrêter de caster ceci. The Lovers, donc récupéré après une pilule speed-up utilisée.
Hiro Kanzaki, qui lui aussi est au chest, mais voilà, qui va beaucoup plus lutter, son DPS est moindre. Radical Edward qui retombe à un cœur rouge ennemi, mais qui drop un cœur rouge à nouveau. Il est à 2 ennemis et il farm enfin son mapping. Je ne sais pas s'il l'a obtenu, je crois que c'est en haut à gauche en effet. Ça l'a un peu pénible ici avec les Cavaliers de l'Apocalypse. Rosary trouvé par Hiro Kanzaki qui du coup obtient un petit souffle avec 3 cœurs bleus qui s'ajoutent. Pour le défendre, oh non, alors par pitié, c'est Hiro Kanzaki gagne. On doit faire un dernier match et là je suis au bout de ma vie. Mais ainsi soit-il, Radical Edward sur un vortex de salle. On voit qu'il avance lentement, Hiro Kanzaki, mais sait-on jamais le bon pif. Et il peut trouver son Blue Baby avant. Tandis que ça s'enchaîne, les grosses salles pour Radical Edward ici, des Gurglings et des Mega Fatigue et des Gurdy Junior. La bonne nouvelle, c'est qu'avec son vol, il n'a absolument pas à se soucier du sang disposé par terre, des dingles ici pour Hiro Kanzaki qui prend une touche. Radical Edward, ça y est, et devant son Blue Baby. Et cette grande salle ne renfermait au final que deux petits Little Hound. Voilà, Radical Edward qui claque directement sa carte Z-Lovers pour quand si jamais il se refait toucher à nouveau, il pourra directement aller chercher pendant son Polaroid. D'ailleurs, c'est mal optimisé ça d'avoir touché ce cœur rouge directement. Non, me dis pas qu'il va crever. Va chercher ton cœur rouge. Va chercher ton cœur rouge et refais-toi toucher si tu veux. Par pitié, c'est bon. Radical Edward qui a un cœur ennemi. Le Blue Baby sur le point de tomber. Et c'est bon. Ça passe après un premier Rage Reset. Mais il a failli crever ce con. Il a failli crever alors que le bébé bleu était mort. Mais dis donc, Radical Edward, tu as failli mourir à la fin alors que tu avais gagné. ouais, c'est le craquage. Bon. Eh bien, Hiro Kanzaki, c'était fort serré. Mais hélas, Radical Edward a terminé le Blue Baby avant que tu le trouves. Et puis là, on te voit devant une salle double adversaire. Ça a l'air un peu anxiogène. Eh bien, écoute. Le pire chest de ma vie. Le pire chest de ta vie, c'est ça. Bah écoute, ma foi, donc c'est donc la fin pour toi, Hiro Kanzaki. Tu peux re-rage quit Isaac à nouveau. Ça va me faire plaisir. Finalement, je suis plutôt content. La souffrance s'arrête ici. Tu te seras battu. Mais c'est donc la fin. Radical Edward donc se qualifie, gagne 3-1. Je vous rappelle que vous pouvez suivre ces charmants messieurs. Alors que là, je vous fais un effet dégueulasse avec XSplit sur le Twitter et Twitch respectif. Hiro Kanzaki, que ça soit sur bon, Twitch. Bon, par contre, moi, si vous venez pour du Isaac, allez-vous vous faire foutre. Hein. Ah oui, alors qu'est-ce que tu streams du coup quand tu streams pas du Isaac? Qu'est-ce que je stream depuis que je fais plus d'Isaac? C'est ça. Je vais faire un Console Mania PlayStation, en fait. Console Mania PlayStation, bah excellent, donc de la matière, en effet. Parfait. Donc n'hésitez pas à Hiro Kanzaki sur Twitch et Twitter, Radical Edward, c'est Radical Edward sur Twitch, et GG Radical Edward sur Twitter. Bravo, Radical Edward qui retrouvera donc Flo the Gamer. Flo the Gamer pour le round d'entraînement. Tout à fait, j'ai pas encore mis à jour, mais donc les deux rounds 2 sont joués de ce côté-là. Flo the Gamer contre Radical Edward, Slooby contre 1-2-3 Lunatic, de l'autre côté Venom contre Ganeijin, et Grid contre le vainqueur de Brothermain contre Yamato, et ça sera joué sûrement vendredi. Il est temps pour nous tous de nous reposer. Merci beaucoup, messieurs. Mais merci. Allez, bien joué, Radical Edward. Mais bien joué à toi aussi. Voilà, bah, bravo. Merci. La cordialité, le beau jeu. Et je vous fais de gros bisous. Nous, on se retrouve plus tard. Et c'est tout pour la Powerplay aujourd'hui. On se quitte avec un vortex de pub, etc., etc. A plus tard, des bisous. Bonne soirée. Bonne soirée, des bisous.